Donc, merci encore une fois à mes collègues, Vincent et Clément, donc, de m'inviter pour cette seconde semaine avec des questions intéressantes et donc la suite de la formation. Donc, j'avais voulu davantage axer sur une autre représentation de la Révolution. Mais auparavant, Vincent Béraud a eu la gentillesse, l'amabilité de m'envoyer des questions très intéressantes que vous aviez posées et auxquelles je n'avais pas répondu. Et je me suis dit que c'était une bonne introduction, après tout, que de répondre. Alors, peut-être pas à toutes les questions, mais j'ai groupé les questions en fonction de celles qui m'étaient arrivées. Bon, vous le voyez aussi, une petite précision, nous sommes dans mon bureau à la Sorbonne, donc nous sommes dans un décor un peu plus révolutionnaire, tout simplement parce que je pense qu'on ne peut plus faire d'histoire sans les images, et je crois que ça va être un des objets de la séance aujourd'hui, comment parler des images et pourquoi parler des images, indépendamment du fait que nous sommes dans les images et nous vivons avec des images. Alors, il y a des questions qui sont vraiment très, très intéressantes. Et une question qui me passionne parmi celles qui m'ont été posées, c'est la double question de la causalité des révolutions et de la guerre dans les révolutions. Une révolution posait très justement et très pertinemment la question, mais alors sans révolution anglaise, pas de révolution, sans révolution anglaise et sans révolution américaine, pas de révolution française. Ben, c'est une hypothèse. J'arrive de Saragosse, en Espagne, où il y a eu un débat, mais très, très, très bouillant. Je ne pensais pas que le débat allait monter aussi haut dans les décibels. Bon, je peux être très calme, mais je peux être très coléreux si je pense que on remet en cause des principes fondamentaux de la Révolution. Et le débat est monté très haut parce que j'avais un collègue érudit italien qui voulait absolument séquencer les révolutions, les séparer les unes des autres et dire qu'il n'y avait pas de causalité entre les révolutions et que chacune avait son histoire et était indépendante. Alors que chacune ait son histoire et que chaque révolution ait son histoire, c'est non seulement vrai, mais je vais essayer de le montrer aussi pour Saint-Domingue aujourd'hui, qui est tout à fait capital dans notre programme. Mais que les histoires soient sans interconnexion, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, et c'est pour ça que j'ai parlé de civilisation atlantique la dernière fois. Je pars cette carte-là. L'océan Atlantique est en fait un lac, c'est-à-dire qu'il est constamment traversé de bateaux, de centaines, de milliers de bateaux chaque année, qui apportent des livres, qui apportent des nouvelles, qui transportent des êtres humains, qui transportent des animaux aussi. On en parlera tout à l'heure. Et qui, d'une certaine manière, constitue un système de pensée commun. Alors, ça ne veut pas dire que les révolutions auraient éclaté de la même manière, mais elles auraient, de toutes les manières, elles se seraient produites. Et là arrive une deuxième, c'est mon hypothèse. Donc, vous pouvez la contester, bien évidemment, hein, mais je suis vraiment prêt à la défendre. Parce que je ne pense pas qu'une révolution soit une histoire nationale, mais c'est une histoire qui est forcément internationale. Et arrive là une deuxième série de questions très passionnantes qui m'ont été posées, c'est, mais alors, est-ce que finalement ce que vous nous avez présenté, c'est-à-dire une révolution nomophile, ça veut dire qui aime la loi, est-ce que cette révolution nomophile qui invente le pouvoir législatif ne serait pas davantage du côté des réformes plutôt que des révolutions? C'est une très bonne question. Et puis, la question connexe, c'est pourquoi cette révolution qui invente la loi, donc le droit, donc d'une certaine manière le principe lockéen du gouvernement civil, lorsqu'il y a un conflit dans une société, on le dépasse en inventant une troisième personne qui est le juge, qui n'est pas arbitraire, mais qui repose sur un texte, sur des textes de loi sur lesquels il s'appuie. Renvoie bien sûr à ce qui vous a beaucoup intrigué, et ça m'intéresse que ça vous intrigue, parce que ça veut dire que vous êtes réactif à cela. Comment ne pas l'être? Vous êtes dans une zone, je le crois, vous vivez dans une zone qui n'est pas si tranquille que cela du point de vue géopolitique, et puis nous vivons une tragédie atroce qui est de nouveau la guerre en Europe, dont personne ne sait ce qu'elle va devenir, mais dont on peut dire qu'elle a des évidentes connexions avec
la révolution, puisque c'est à la suite de la révolution ukrainienne que sa métropole, refusant son indépendance, provoque la guerre pour tenter de tuer dans l'œuf ce qui est le processus d'indépendance de l'Ukraine. Donc, je ne porte pas de jugement moral, je constate qu'il y a une répétabilité, et c'est pour cela que nous faisons des sciences humaines et que nous pouvons regarder les élèves en face en démontant toutes leurs idées complotistes, en démontant toutes les mauvaises émissions, en leur expliquant justement, ne serait-ce qu'au travers du modèle très précis ukrainien, comment se déroule une révolution, comment elle s'est déroulée dans le passé et comment justement, hélas, la guerre vient éclater comme un processus d'arrêt des révolutions par ceux qui ne veulent pas les révolutions. Parfois, les révolutionnaires peuvent vouloir aussi les révolutions. Donc, on est sur une double dimension, à mon avis. Et là, c'est un conseil de collègue à collègue, hein, tout simplement. Hein. C'est un conseil de collègue à collègue. À mon avis, cette double dimension, il faut la présenter aux élèves. Pas unifier, il ne faut pas simplifier le discours sur la Révolution française. La Révolution française est extrêmement complexe. Bon, à Saint-Domingue, c'est encore plus complexe parce qu'il y a deux révolutions qui se superposent, si on parle de Saint-Domingue. Mais il ne faut pas le simplifier et voire même, nous sommes professeurs, nous sommes fonctionnaires de la fonction publique, donc nous avons aussi nos fameux cours d'éducation civique qui sont très importants, mais on peut montrer aussi les contradictions d'un modèle en train de se construire. On ne récite plus un mythe national comme sous la Troisième République. On forme des citoyens à un savoir critique. Donc, évidemment, on construit le socle des valeurs républicaines qui sont nées pendant la Révolution. Cela ne nous empêche pas d'avoir un regard critique aussi sur les révolutionnaires qui sont des êtres humains, sur des processus de la Révolution qui ont pu parfois déclencher des violences. Alors, la réponse à cette question très fine sur, mais finalement, pourquoi appeler révolution ce qui semble être une réforme, c'est-à-dire la construction d'un pouvoir législatif? Eh bien, tout simplement parce que Louis XVI, c'est une très bonne question, parce qu'elle remet en scène tout le règne de Louis XVI. Tout le règne de Louis XVI, c'est l'échec de la réforme. Personne ne veut de révolution. Ça fait 35 ans que je vis dans la révolution, et plus ça va, d'abord, bon, plus je suis radical du point de vue politique, mais ça, on s'en fiche complètement, mais plus je suis inquiet en tant que citoyen par le phénomène de violence des révolutions. Je suis très sensible à ça, peut-être parce que je vieillis, mais je suis très sensible à ça. Donc, en soi, une révolution, Mao le disait, n'est quand même pas une partie fine chez Madame l'ambassadrice. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de violence, ça veut dire qu'il y a des phénomènes très violents dans une révolution dont personne ne peut contrôler justement l'hyper-violence des révolutions. Donc oui, si Louis XVI, je vous le dis en toute sincérité, en toute tranquillité, si Louis XVI avait été à la hauteur tout simplement, s'il avait été un grand monarque, s'il avait accepté cette réforme pacifique et l'invention d'un parlement à l'anglaise, il serait resté. Là, on fait de la if story, hein. Donc c'est ce qu'on appelle de l'histoire probabiliste. Donc on ne la présente pas aux élèves, mais nous, on l'a en tête. Mais nous, on l'a en tête. Louis XVI aurait pu être le plus grand personnage de l'histoire de France, sans aucun doute possible. Mais Louis XVI était construit pour être un roi absolu. Et au fur et à mesure que l'adversité va s'opposer à lui, il va se révéler comme un personnage de plus en plus intéressant. C'est un roi falot, c'est un roi faible, c'est un roi indécis. Et puis, quand la révolution arrive, au fur et à mesure, il devient de plus en plus intéressant, ce Louis XVI. Il devient de plus en plus incarné. Il devient de plus en plus conscient de son rôle de roi très catholique. Et finalement, il finit de façon courageuse, hein, de façon courageuse, il faut le dire. Tous les témoignages sont unanimes pour dire qu'il a terminé de façon courageuse le 21 janvier 1793, incarnant parfaitement son rôle de roi très chrétien et martyr finalement de la religion. Donc, comme tout un chacun, j'aimerais bien que le monde fonctionne mieux sans lutte. C'est ça finalement la question que l'on me pose. J'aimerais bien que le monde fonctionne sans lutte. Simplement, quand on est professeur d'histoire, vous avez vu, je pense que comme moi, quand j'étais jeune professeur d'histoire, je faisais le compte à la fin de l'année des nombres de personnes que j'avais convoquées simplement pour les faire mourir en disant, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts. Finalement, quand on est professeur d'histoire,
On vit beaucoup avec les morts. Ça, il faut en avoir conscience. Et donc, on préférerait vivre avec les vivants, bien sûr, et que les choses se passent mieux. Mais comme le disait Queneau, l'histoire est une supercherie. L'expression l'histoire est une supercherie. Il faudrait dire toujours l'histoire du malheur. Parce que qui n'est pas dans le malheur n'a pas d'histoire, évidemment. Une histoire d'amour qui se passe bien n'est pas intéressante au cinéma. C'est le béaba du scénario. En histoire, on est constamment confronté à la pauvreté, au tremblement de terre, aux catastrophes, aux maladies, aux épidémies, aux ruptures, aux révolutions et la révolution comme justement fracture totale et pour moi le paradigme même de l'histoire. Donc, oui, il y aurait pu y avoir une réforme, mais les élites ne l'ont pas voulu, le roi ne l'a pas voulu, son gouvernement ne l'a pas voulu, la cour ne l'a pas voulu et finalement, comme l'exprime très bien l'historien américain Tim Tackett, aucun, vous avez bien entendu, aucun des 1200 députés convoqués aux États généraux n'est révolutionnaire. Aucun. Ils veulent simplement contrôler l'impôt, ils veulent simplement voter la loi, mais ils ne veulent pas la révolution. La révolution va s'imposer à eux dans les 6 semaines qui vont du 1er mai au 17 juin 1789 comme une impossibilité d'acter autrement. Et là, c'est intéressant parce qu'on en revient à quelque chose que les élèves, à mon avis, doivent comprendre, qui est justement que la révolution, ce n'est pas tant le fait d'être pour ou contre, avec ou pas avec, dans une explication de science rigoureuse, personne ne sait quand va éclater une révolution, peut-être demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans en France, je n'en sais rien, ou sûrement ailleurs, je n'en sais rien. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des éléments objectifs, il y a des éléments objectifs qui renvoient en fait à un immense acte de volonté. Voilà, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un immense acte de volonté. C'est-à-dire un moment donné où des populations prennent conscience qu'elles ont un pouvoir très très important. Et ce pouvoir qui est très important, il passe par une épreuve de force. Donc, on en revient à une de vos interrogations dans la série des questions que m'a transmise Vincent, gentiment, qui renvoie en fait à cette idée de l'épreuve de force ou la violence ou la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si l'on regarde bien les journées révolutionnaires, les premières journées révolutionnaires, mettons le 14 juillet comme une tarte à la crème qu'il faut enseigner, mais comment sortir de la tarte à la crème? Eh bien, il faut montrer, à mon avis, que comment s'effondre un pouvoir en quelques heures. Que se passe-t-il le 14 juillet? Ben, il se passe ce qu'il se passe dans toutes les manifestations. Je pense que si vous êtes professeur d'histoire ou de géographie, vous avez quelques idées politiques. Vous avez sûrement dû faire au moins, je suppose, je crois, je l'espère pour vous, en tant que citoyen, c'est important, au moins une manifestation dans votre vie pour dire, ben, je ne suis pas d'accord avec tel gouvernement, peu importe lequel, parce que je pense que ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe dans une manifestation? Il y a en fait trois acteurs. Il y en a un acteur qui est invisible, celui contre lequel on marche et contre lequel on fait la manifestation. Généralement, le ministre, le préfet ou le président de la République ne sont pas au cortège de la manifestation. Ça passerait plutôt mal pour eux. Mais ils sont les acteurs invisibles de la réunion des manifestants, des gens qui sont mécontents. Il y a deux autres acteurs qui, eux, sont très présents. C'est un, les manifestants, donc les citoyens. Et puis, il y a ce troisième acteur qui est, à mon avis, essentiel dans l'histoire, dont on parle jamais, ou alors qui est toujours présenté comme le méchant ou qui est un petit peu caricaturé. Ce sont les forces de l'ordre, les policiers. Bon, qui sont plus ou moins sympathiques, évidemment, qui sont plus ou moins agressifs aussi, ou qui sont plus ou moins loyaux vis-à-vis de l'éthique républicaine. Quand ce sont des CRS, des gardes mobiles, il faut faire bien sûr attention. Le rapport de force, sont eux qui représentent l'État. Tant qu'ils tiennent, eux, il n'y a pas de danger pour l'ordre public. Mais vous imaginez une manifestation où les CRS et les gardes mobiles posent les boucliers, n'envoient plus de gaz lacrymogène, ne donnent plus de coups et disent, eh ben d'accord, on va faire la manifestation avec vous parce que vous avez démontré une telle force qu'on va être de votre côté. C'est ça une révolution. La révolution, ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas les 20 000 décrets, oui, bien sûr, c'est ça. C'est pas simplement l'exécution. C'est à un moment donné, il faut changer le rapport de force. Le rapport de force, le 14 juillet, vous savez, personne ne peut savoir ce qui va se passer le 13 juillet.
Pourquoi? Parce que pour attaquer la Bastille, la forteresse qui est la Bastille, et c'est pour ça que la Bastille sera aussi importante, c'est impossible qu'une foule fût-elle aussi nombreuse que celle du 14 juillet ait pu prendre la Bastille. C'est une forteresse. Ils sont enfermés là-dedans, personne ne bouge. Sauf qu'à un moment donné, les gardes parisiennes, qui sont des soldats, hein, ce sont des soldats, c'est une troupe armée spécialement affrétée à l'ordre public dans Paris, ces gardes parisiennes vont tourner l'arme magique de toutes les guerres révolutionnaires qui fera trembler toutes les têtes couronnées et qui a été inventée sous l'Ancien Régime par un ingénieur du roi, le Gribeauval. C'est un canon qui est d'une qualité exceptionnelle, qui va être le canon des artilleurs et du général Bonaparte, qui s'y entendait puisqu'il était général d'artillerie. Tant que les gardes françaises n'ont pas braqué les canons sur la Bastille, il y aurait pu avoir toute la population de Paris devant la Bastille, ça n'aurait pas bougé. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans une manifestation, dans une révolte, dans une révolution, il faut que la force publique, l'armée, tourne du côté du peuple pour renverser le pouvoir. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un processus historique que les étudiants, si vous avez des lycéens, ils ont un peu manifesté, ils voient désormais la violence et l'encadrement et le verrouillage des manifestations. Du moins à Paris, c'est comme cela. Moi, j'ai fait des manifestations depuis 35 ans. Et donc, je vois l'hyper-violence policière se transformer de nos jours en quadrillage et en verrouillage de rue en rue. C'est très impressionnant, ce qui n'existait pas pour casser la logique des défilés. C'est la même chose en 1789. Il y a déjà une police pour contenir les révoltes et l'intranquillité des Français. Donc, on a là justement un engrenage, la manifestation, la révolte, la colère, le soulèvement, l'insurrection, et puis que vont faire les forces de l'ordre? Eh bien, si l'on prend ce micro-exemple de ce qu'est une manifestation dans une grande avenue, dans une rue, qu'on l'applique à un pays, puis qu'on l'applique à un continent, on a là l'image même de ce qu'était l'inévitable rapport de force entre la Révolution et l'Europe, la Révolution et le monde, qui devait se terminer par rapport à la question qui m'a été posée, inévitablement, oui, je le crois, par cette idée de guerre. Parce que cette guerre était en fait cette guerre-là qui ne naissait pas d'une nécessité révolutionnaire, mais qui naissait d'une nécessité politique. Et c'est là que la carte que je vous ai présentée, sur laquelle on est en fond, est intéressante parce que je complète la question très intéressante. Je ne perds pas de temps, rassurez-vous, mais tout cela est important pour qu'on ait des idées générales partagées, mais ou même débattues, hein, bien évidemment. Je ne vous demande pas de me donner raison, mais au moins de comprendre ce que je veux vous dire. Et puis après, si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, je vous entendrai. C'est en fait que quelqu'un m'a posé une question passionnante et qui a très très bien compris ce que je voulais dire. Donc j'étais content parce que ça voulait dire que un message était passé. Non, la guerre de la Révolution, je remercie la personne qui m'a posé cette question, n'est pas une guerre idéologique. C'est pas une guerre idéologique. La philosophe américaine d'origine juive allemande Hannah Arendt, dans son livre Des Révolutions en 1963, a construit un modèle sur le fait que la Révolution française avait inventé le modèle des révolutions totalitaires et des régimes totalitaires qui allaient amener à, selon elle, elle est américaine, d'origine juive allemande, à la catastrophe donc du totalitarisme, des totalitarismes qu'elle mélange allègrement et de façon tout à fait anachronique, me semble-t-il. Elle n'est pas historienne, elle est philosophe. Au XXe siècle. Eh bien, non, la Révolution française n'a pas inventé de guerre idéologique. Vous m'avez bien compris. C'est une guerre, en fait, de tension pour la domination mondiale, qui est la domination de l'Atlantique, puis après, vers votre océan, via le cap de Bonne-Espérance, donc, et la route vers les Indes, puis l'ouverture de la route vers les Philippines et vers l'extrême Orient, qui sera un combat furieux entre Anglais et Français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. De telle sorte que, au fond,
Ce n'est pas seulement la révolution anglaise et américaine qui fait la révolution française, mais c'est la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans comme première guerre mondiale qui va dérégler tous les royaumes, comme je l'ai expliqué, donc, et qui va rendre en fait cette confrontation de la guerre révolutionnaire comme étant la suite pour deux visions du monde. Et c'est là que je voulais en venir. Deux visions du monde, parce que deux visions du monde, une fondée sur les libertés, l'autre fondée sur le libéralisme. La première vision du monde, celle fondée sur le libéralisme, c'est la vision anglaise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser les libres forces du marché, c'est quand même la théorie d'Adam Smith, la grande école écossaise de la philosophie politique et de l'économie politique. Ce sont deux sciences dont on a perdu le sens, mais qui sont très importantes au XVIIIe siècle, la philosophie politique et l'économie politique, et qui défend, bien évidemment, la théorie du libre marché, la théorie du laisser-faire, laisser-passer, la théorie de la libre initiative, donc, et qui sont le fondement même de la pensée d'Adam Smith qui va irriguer, diffuser dans tout le monde anglo-saxon. Et de l'autre côté, il y a, de la part de la France, non pas pour la mettre en avant, mais pour mettre en avant ce modèle-là, c'est tout. Ça a été porté aussi à un moment donné par les Suisses, ça a été porté par les Belges, par les Liégeois, par les Irlandais, mais eux, ils ont échoué. Or, la France a en partie seulement réussi. Il va y avoir le modèle des libertés. C'est-à-dire que ce qui fonde le substrat de la société n'est pas tant l'économie libre que la protection par l'État des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est la loi qui fonde la liberté, ce n'est pas le marché qui fonde la liberté. Et là, évidemment, il y a deux modèles qui sont tout à fait différents et qui sont en conflictualité. Et la guerre, donc, va éclater en 1792. C'est tellement vrai que les Anglais laissent faire la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie au mois d'avril 1792, et ils prennent le prétexte du procès du roi entre novembre 1792 et janvier 1793 pour déclarer la guerre, alors qu'en réalité, le vrai danger pour les Anglais, c'est que les armées françaises sont en train de s'avancer vers les bouches du fleuve de l'Escaut et donc bloquer littéralement le commerce anglais. C'est donc aussi une affaire capitaliste, comme bien souvent les guerres, et qui va en fait montrer qu'il n'y a pas une idéologie, mais qu'il y a bien aussi des enjeux très très importants, politiques, de géopolitique, qui sont évidemment importants. Bien sûr, comme le père de William Pitt en 1759, qui va inventer le patriotisme anglais, les Français vont jouer aussi de leur propagande, inventant dans leur révolution donc une nouvelle politique. Alors, cette nouvelle politique, j'aimerais en parler aujourd'hui parce que je vous ai présenté une vision quelque peu macro géographique ou macro historique la dernière fois, c'est-à-dire une vision qu'on pouvait appeler ouverte sur les nouveaux chantiers de la globalisation et de la mondialisation des études révolutionnaires. Aujourd'hui, je voudrais revenir, si vous le voulez bien, sur une vision un peu plus micro, historique. Il y a des idées, il y a des faits, il y a des événements, il y a des dates et il y a des espaces. C'était l'objet de la première leçon. Maintenant, pour cette deuxième leçon, et je crois que c'est ce qui m'intéresse aussi en histoire, et je pense vous aussi, ce sont les êtres humains qui font les révolutions. Ce sont les personnes qui font les révolutions. Alors, de quelles personnes peut-on parler? Qui sont les révolutionnaires? Comment devient-on révolutionnaire? Pourquoi est-on révolutionnaire? Est-ce qu'on l'est un jour dans sa vie? Est-ce qu'on l'est un mois? Est-ce qu'on l'est toute sa vie? Est-ce que si on change d'avis, on est une girouette? Qui est contre-révolutionnaire? Qui est contre la révolution? Et qui est, c'est peut-être la majorité, bien souvent, prudent, c'est-à-dire attendant de voir qui a gagné pour se dire, ah ben oui, finalement, c'était cela qui avait raison. Il y a beaucoup de gens qui font partie déjà de ce qu'on appelle le marais, le centre, qui ne se mouillent pas trop, ou ce qu'on appelle les indifférents à la révolution, donc de telle sorte que, au fond, quand on est historien et qu'on présente la révolution, il faut être prudent parce que distinguer la révolution en tant que phénomène politique et les révolutionnaires en tant que personne, et savoir de qui on parle.
Est-ce que c'est une majorité de la population qui fait la révolution? Est-ce que c'est une minorité? Qui est dans cette minorité? Qui est mis à l'écart? Qui est intégré? Et c'est bien sûr, à mon avis, les chantiers les plus intéressants aujourd'hui que de penser cela. Alors, comment rentrer dans ces chantiers-là? Ben, je pense tout simplement par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, premièrement, et deuxièmement, par les articles des constitutions que vous avez sur tous les sites de Légifrance, les sites officiels donc de l'Assemblée nationale, qui vous présentent les préambules des constitutions. Moi, j'aime beaucoup lire ça. Bon, il y a des lectures plus drôles, hein. Je vous le concède. Mais j'aime beaucoup lire les constitutions. Constitution, on comprend de les quatre constitutions, parce que la France s'est payé le luxe d'avoir quatre constitutions entre 1789 et 1799. Si vous lisez ces constitutions, donc la constitution de 1791, la constitution de 1793, qui n'a jamais été appliquée, la constitution de 1795, dite bourgeoise, et la constitution de 1799, la constitution de Bonaparte, ce qui est intéressant, c'est de lire l'état des citoyens, le chapitre qui concerne l'état des citoyens. C'est-à-dire, qui est citoyen? Qui devient citoyen? Comment peut-on devenir citoyen? Comment peut-on devenir citoyen? Et qui fait le métier de citoyen? Et une question m'a été posée sur le métier de citoyen. Est-ce qu'il existe un métier de sujet du roi? Non, non. Le sujet du roi est un être soumis par définition. Il a une vie particulière, il a sa liberté de personne, mais en tant que sujet, il n'a pas de métier. Tandis que le citoyen, c'est tout à fait différent. Le citoyen doit constamment acter le fait d'appartenir à la communauté politique qui a fait la révolution pour exister. Donc, cela veut dire en fait que si vous regardez bien les constitutions de 1791 et 1793, on n'est pas citoyen parce que l'on est français. Et ça, c'est essentiel. On est français parce qu'on est citoyen. Et ça, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Si vous regardez les États pour devenir citoyen français en 91 et 93, c'est assez simple. Bon, il faut bien être né en France, bien sûr, ou bien avoir des parents français, ou bien avoir vécu en France 1 ou 2 ans, pas beaucoup plus, 5 ans ou 5 ans, d'abord 5 ans, puis 2 ans. Démontrer qu'on a une propriété en France, une activité économique, et évidemment que l'on obéit aux lois de la République. C'est donc un pacte politique qui fonde la citoyenneté. C'est un pacte politique qui fonde la citoyenneté. Ça veut donc dire que pour être citoyen, il faut vouloir partager les mêmes idées politiques et non pas le même sang ou la même couleur ou le même sol. Il faut vouloir faire partie de la communauté politique. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique tout le monde? Ça pose un problème. Dans le droit, oui. Ça veut dire que tout le monde est citoyen de droit. Tout le monde est citoyen de droit, ça veut dire que tout le monde bénéficie de la protection de la loi. Dans la réalité politique, non. Et c'est bien là une limite. C'est bien là une limite. C'est bien là une contradiction que non seulement on n'a pas à cacher, mais au contraire, à bien expliquer aux élèves. Et bien évidemment, la première de ces contradictions, c'est, j'y arrive, voilà, c'est la question des femmes dans la Révolution. La question des femmes dans la Révolution, qui est essentielle, ça concerne tout de même la moitié de la France, la moitié du genre humain, si je ne me trompe pas, voire un peu plus, en fonction de la démographie. Donc, c'est tout à fait fondamental. Et on en revient à cette très belle expression de Michel Perron qui a été reprise ensuite et qui consiste à dire, finalement, la France a fait des femmes des citoyennes sans citoyenneté. Des citoyennes sans citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont pleinement citoyennes, hein. Elles sont pleinement citoyennes, mais elles n'ont pas de droit politique. Alors, là se pose une question de méthode d'histoire. Est-ce que, on fait comme nos collègues américains et on focalise seulement sur la situation des femmes pour montrer une révolution viriliste, plus qu'une révolution viriliste, comme l'a montré Anne Verjus, ma collègue spécialiste de sciences politiques,
une révolution patriarcale. Ce n'est pas tant la masculinité qui définit le député que le fait qu'il est père de famille. C'est-à-dire que les députés ne votent pas en tant qu'hommes, ils votent en tant que chef de famille. Et ça, c'est très important parce que Anne Verjus a inventé une expression qui me semble très importante pour dire que la révolution est une révolution familialiste. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas conscience de voter tout simplement parce qu'ils ont une supériorité masculine. Ils votent parce qu'ils sont pères de famille. C'est tellement vrai qu'il va y avoir de longues discussions en 1993, mais surtout en 1795, pour savoir si les hommes célibataires, qui sont des hommes dangereux dans une république, hein, les hommes célibataires, on n'aime pas ça en 1795, parce que soit ils viennent voler les femmes des autres, soit ils viennent dévergonder les jeunes femmes, et le modèle, c'est le citoyen marié. On va se poser la question très sérieuse, hein, j'ai étudié les débats parlementaires, de savoir si les célibataires peuvent devenir députés. C'est-à-dire, est-ce qu'un célibataire n'est pas en soi un homme vertueux? Donc, la famille va être très importante au cœur même de la Révolution. Pourquoi? Parce que la régénération des mœurs passe par le fait que de la prise de conscience que la première cellule politique, c'est la famille. Et dans cette première cellule politique, elle doit être bien ordonnée autour justement de l'autorité patriarcale, autour de l'autorité patriarcale, autour de l'autorité matriarcale, mais qui est celle de la maison, et bien sûr de la reproduction du modèle par les enfants. Donc, très vite, en fait, on va avoir un discours qui va, bien évidemment, tenter d'assigner aux femmes une place qui n'est pas celle de l'action politique. Alors, doit-on simplement focaliser sur les femmes ou bien pour rendre encore plus fort, moi je crois, hein, je crois à cette deuxième hypothèse que je vais vous présenter, pour rendre encore plus fort la question de la ségrégation du genre féminin dans la Révolution française, il ne vaut mieux pas séparer, mais vous ferez ce que vous voudrez dans vos cours, c'est ce qui fait le charme de nos métiers où nous gagnons peu, mais nous disons ce que nous voulons à nos élèves, à condition qu'on le dise de façon rigoureuse, sérieuse et étayée. Moi, je présente souvent les exclus de la Révolution. Et parmi ces exclus de la Révolution, ou ceux qui sont tenus à la marge, ou ceux qui ne vont pas être immédiatement pensés comme citoyens, alors qui il y a? C'est ça qui est intéressant. Quelles sont les populations qui vont se trouver à la marge? Alors il y a bien sûr les femmes, qui sont une majorité quantitative, mais non minorité du point de vue qualitatif, elles sont mineures. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la majorité, elles n'ont pas l'autonomie politique. Avec les femmes, bien sûr, il va y avoir les domestiques. On les oublie, mais c'est fondamental. 10% de la population active d'une société d'Ancien Régime est constituée de domestiques. Alors en même temps, 70% des domestiques sont des femmes, mais elles sont plus stigmatisées parce qu'elles sont domestiques que parce qu'elles sont des femmes. Pourquoi? Parce qu'on pense que les domestiques n'ont pas de pensée personnelle. Ils ne peuvent qu'être sous l'influence de leur maître. Et donc, ils sont forcément donc serviles et ils ne peuvent pas penser. Donc, les domestiques sont également exclus. Dans un premier temps, les juifs vont être exclus. Les protestants vont être immédiatement intégrés. Après, dans un deuxième temps, les juifs vont être bien sûr intégrés. Ce sont les grands débats de septembre 89 qui vont montrer très rapidement l'idée de l'intégration des Juifs, mais qui ne se fera que 2 ans plus tard hein, dans la Constitution. Ça veut dire qu'il y a eu de longs débats entre Juifs aussi eux-mêmes, qui avaient des privilèges sous le roi et qui se demandaient si c'était vraiment bien pour eux de devenir pleinement citoyens. Grande césure entre les Juifs des Lumières, ceux de l'Ouest et de Paris, et des Juifs très orthodoxes, ceux d'Alsace, par exemple. Bon, la question des acteurs, mais elle est très vite réglée, ils rentrent immédiatement. La question des faillis, ceux qui font faillite, une économie d'Ancien Régime est une économie remplie de gens qui sont en faillite. Ces gens en faillite n'ont plus la dignité de citoyen, on n'en parle jamais. Mais c'est très important, parce que ça veut dire que parce qu'on est en faillite, on n'est plus digne d'être citoyen. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Ben, les députés vont bien sûr réfléchir à ça. Le fou. Alors, on pourrait se dire, ben c'est normal, il n'a pas de raison. Oui, mais alors qui parle pour lui et qui le défend? Et bien sûr, dans ces autres communautés, se pose la question du pauvre.
la question du pauvre. Et à cette époque-là, bien sûr, on ne dit pas le pauvre, parce que le pauvre est un mot qui a une qualification morale au XVIIIe siècle. Un homme riche peut être un pauvre personnage, comme dans Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables sont soit ceux qui vivent dans la misère, soit ceux qui sont de vils personnages, des gens misérables, vils. Donc, on dit les indigents. Et donc, c'est exactement la même chose. Ces indigents sont plus ou moins importants. Ils sont sur l'ensemble de la population 2 à 3% de plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont entre 14 et 15%. Bon, ça veut dire qu'en 2023, la France quand même a une population indigente de 12% sur le territoire de la métropole. Et je pense qu'à Mayotte, c'est un peu plus. Ça veut dire donc qu'on estime que les pauvres ne peuvent pas avoir de raisonnement politique. Ils sont complètement serviles. Ils sont sous la domination de leur statut de pauvre et ne peuvent exprimer d'idées politiques. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'un des personnages que je connais le mieux de la Révolution, Louis-Pierre Dufourny, va inventer un quatrième ordre. Il dit non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas trois États en France. Il n'y a pas le premier, le second et le troisième État et le tiers État. Il y a un quatrième ordre, celui qui est constitué par les infortunés, ceux qui n'ont pas de lieu, ceux qui n'ont pas de feu, c'est-à-dire ceux qui sont des SDF, des sans-domicile fixe, et ceux que le président Hollande a trouvé drôle d'appeler les sans-dents. D'ailleurs, j'ai trouvé un sans-culotte qui était tellement misérable, donc qu'il était surnommé sans-dents, parce qu'il était misérable et il n'avait plus de dents, donc ce qui était déjà à l'époque un signe de pauvreté. Donc, on a ces pauvres qui sont exclus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir donc une révolution qui est confrontée à ces contradictions, parce qu'à partir du moment où elle énonce des principes d'intégration et qu'en même temps, elle énonce des principes d'exclusion, eh bien, on a une révolution en germe à l'intérieur de la révolution. À mon avis, c'est cela qu'il faut expliquer aux étudiants. Comme ça, on sort du mythe, on sort du roman, de la révolution, tout s'est bien passé. On leur explique la difficulté. D'un côté, il y a des principes très positifs, mais de l'autre, il y a une réalité qui est moins positive. Et ce qui me permet de continuer à répondre à une de vos questions relayées par Vincent. Est-ce que la révolution est infinie? Ben oui, bien sûr. Est-ce que la révolution est terminée? Ben non, pas du tout. À partir du moment où l'on dit que la révolution est fondée sur l'égalité, eh bien, elle est encore à faire en 2023. C'est-à-dire que ces gens-là ont déclaré qu'ils voulaient l'égalité. Donc, bien sûr, on peut se mettre d'accord sur jusqu'où va l'égalité, mais cette égalité va être importante puisqu'il y a encore une autre population exclue qui est double et qu'il ne faut pas confondre. Et que je sais bien qu'à Mayotte, vous ne confondez pas, mais les choses vont mieux en le disant. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les libres de couleur, donc c'est-à-dire ces gens donc qui fondamentalement donc l'actuelle l'île de la Réunion, donc l'île Bourbon, puis dans les territoires des comptoirs indiens et surtout dans les Caraïbes françaises vont dans les Caraïbes françaises, voilà, vont en Guadeloupe, en Martinique et dans la partie française d'Hispaniola, Saint-Domingue, bien sûr, sont à peu près une trentaine de milliers de libres de couleur et à côté de 450 000 autres personnes qui sont des esclaves, là, qui sont donc des gens également de couleur, noirs, africains, soit natifs, soit donc créoles, soit au contraire de plus en plus déportés d'Afrique. Et ces personnes-là, bien sûr, n'ont pas de citoyenneté. Alors, je dis bien sûr, pour les libres de couleur, c'est un vrai combat. Et il y a une délégation de libres de couleur qui s'appuie sur un club qui a été formé en 1788, un club qui s'appelle Les Amis des Noirs, qui est une internationale qui naît entre Philadelphie, Londres et Paris, et qui pense qu'il faut dans un premier temps abolir la traite, le vrai problème c'est la traite, puis
dans les 20 années qui viennent, l'esclavage, parce qu'on pense que les personnes africaines qui vivent dans l'esclavage sont tellement abruties qu'elles ne peuvent pas être immédiatement autonomes. On se retrouve une fois de plus avec un raisonnement des élites. Mais est-ce qu'un pauvre, est-ce qu'un noir, est-ce qu'une femme, est-ce qu'un domestique peut penser librement? Et il leur faudra un petit peu plus de temps. Et on va construire cette réforme-là. Donc, vous voyez que la question des femmes est d'autant plus intéressante si on arrive à créer une intersectionnalité. Ce n'est pas un gros mot, hein. Là, j'entends des gens de droite, des gens réactionnaires qui disent, oh là là, les professeurs sont des démagogues, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'intersectionnalité? Ça va pervertir nos jeunes enfants. Pas du tout. L'intersectionnalité, c'est tout simplement des formes de pensée qui permettent de mettre, de superposer des formes d'infériorisation, des formes de domination et des formes de stigmatisation de populations différentes qui, mis à bout, font que certains vivent un enfer. D'autres vivent des semi-enfers et d'autres vivent très bien. Donc, si vous m'avez suivi et si on joue sur l'intersectionnalité, le personnage le plus misérable, le plus pauvre, le plus indigent de la Révolution française, c'est finalement une femme noire, esclave. Elle a contre elle toute la diversité du monde. Elle a contre elle toute l'adversité de cette période-là. Et le défi politique de la Révolution va donc être, qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes-là? Je vais vous le dire tout à l'heure. Mais il y a d'autres femmes beaucoup plus visibles. Et immédiatement, elles concentrent l'ire et la haine de la population. On ne veut pas de femmes pour des raisons donc de conservatisme patriarcal évident, mais pas seulement, mais pas seulement, pas seulement. C'est parce que les femmes ont pu jouer au sommet de l'État, et donc il faut distinguer quand je dis les femmes, c'est bien sûr des femmes, chaque femme étant différente de toute autre femme, chaque homme étant différent de tout autre homme. Et c'est l'opinion publique qui constitue des généralisations et des formes de stéréotypes. Mais il y a en France une femme qui est particulièrement détestée. C'est Marie-Antoinette. Elle concentre sur elle donc toutes les formes de détestation. Et comme c'est la reine, et comme on dit, prétend la détester politiquement, il y a tout un discours contre les femmes qui se cristallise autour de la reine. Il est moins visible parce qu'on parle de la reine, mais en réalité, on l'attaque aussi parce qu'elle est femme. Et pas simplement parce qu'elle est reine. Je n'ai aucune sympathie, hein, pour Marie-Antoinette, mais ce qui m'intéresse, c'est en tant qu'historien, d'essayer de comprendre cette forme d'éloignement systématique des femmes par les hommes de ce qu'ils considèrent comme étant leurs affaires, les affaires politiques. Et un des biais les plus importants, je pense que Vincent Béraud a eu l'amabilité de me présenter là-dessus, au travers de cela, la semaine dernière, c'était de travailler sur justement les formes d'animalisation et de bestialisation sur la place des animaux politiques, parce que je voulais travailler sur le sol, je voulais faire une histoire au ras du sol de la Révolution, c'est-à-dire au niveau des plus humbles, des plus pauvres, des plus infortunés. Et bien parmi les plus pauvres, les plus humbles, les plus infortunés, j'ai trouvé les animaux, qui sont des travailleurs, qui ne sont pas payés, ou alors qui reçoivent beaucoup de coups. J'ai trouvé des animaux qui sont la force motrice de toute une civilisation. Sans les animaux, pas de société, encore moins sous l'Ancien Régime. Ils tirent, ils poussent, ils portent, ils réchauffent, ils habillent. Bref, les animaux sont centraux et en même temps toujours ou le plus souvent ou très très souvent très maltraités. Et en même temps, ces animaux sont très présents dans la seconde moitié du XVIIIe siècle parce que la révolution des naturalistes de Linné à Buffon va inventer un nouveau statut pour l'homme qui n'est plus un sujet de droit divin mais qui est une création de la nature. Et donc c'est le premier des animaux. Et s'il est le premier des animaux, eh bien il partage le sort des animaux. Et on va voir une inflation de discours pour disqualifier l'ennemi dans la Révolution française qui va prendre des dimensions particulièrement inquiétantes. Et à commencer par la reine. Très vite, elle est bestialisée, elle est animalisée pour en fait la décrédibiliser.
C'est soit l'outrie chienne, la chienne, bon, qui renvoie à ses prétendues frasques sexuelles. Je n'y étais pas, donc je ne m'étends pas là-dessus, même si c'est très important, vous le voyez bien, la vie sexuelle de nos chefs d'État. Même Trump n'y échappe pas, si je n'ai pas mal compris les actualités. Et donc, on peut en rire, mais c'est toujours très, 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 très important. En tant qu'historien très impressionné par l'œuvre de Michel Foucault et l'histoire de la sexualité n'étant pas l'histoire de pratiques sexuelles, mais comment l'histoire des reproductions, l'histoire des mariages, l'histoire des relations entre les êtres humains constituent les rapports de domination qui sont directement politiques. Donc, en tant que lecteur de Michel Foucault, Histoire de la sexualité, j'accorde la plus grande importance, bien sûr, aux ragots qui peuvent être dits sur les formes de dérèglement sexuel des élites ou du peuple et qui vont vite sur les formes d'animalisation ou de bestialisation. L'autrie chienne, elle est donc rubriquée comme une chienne, ou l'autruche, l'autruchienne, elle est idiote comme une autruche. Donc, on a en fait cette forme de bestialisation qui, à mon avis, va être intéressante parce qu'elle va être un des aspects de la brutalisation, une forme de violence radicale dans les mots qui ensuite va permettre également dans la guerre civile de détruire l'autre. Alors, ces femmes, bien souvent, sont prises ou sont considérées avec des petits sobriquets, gentilles, ma poule, ma caille, ma chatte, c'est jamais anodin, c'est jamais anodin, sous des formes de petits animaux, donc, et qui renvoient, bien sûr, à une représentation du monde qui est bien évidente. Mais on ne peut pas se limiter à faire une histoire, comme le font parfois des historiens et des collègues américains, simplement avec l'histoire des lois, et dire, ben voilà, la Révolution française a énoncé des principes, ces principes excluaient les Noirs, excluaient les pauvres, excluaient les domestiques, excluaient les familles, excluaient les femmes en premier ordre, donc la Révolution est un échec. Ce serait une ânerie historique. Ce serait une ânerie historique pour le coup, et pire que ça, ce serait une insulte aux femmes. Pourquoi? Ben parce que ce n'est pas parce que la loi dit aux femmes de se taire qu'elles vont se taire. Ce n'est pas parce que les principes disent aux femmes, vous n'êtes pas pleinement citoyennes, que les femmes ne vont pas lutter pour être pleinement citoyennes. Et ça, c'est intéressant, parce que ça s'appelle l'histoire. C'est-à-dire, quand une population refuse l'État, la place qu'on lui assigne, pour dire, bien non, on n'est pas d'accord. Il est en train de se passer quelque Alors, on va attendre que ça reconnecte. le 5 octobre. Le 5 octobre 1789. La France a connu d'autres. La prise de la Bastille, à mon avis, n'est pas pleinement le début de la Révolution, c'est un événement tout à fait essentiel, mais qui, à mon avis, n'est pas le début de la Révolution. Le vrai début de la Révolution, c'est lorsque le roi revient à Paris. C'est-à-dire l'acte de souveraineté dans les faits, la foule oblige le roi de revenir à Paris. Là, il y a une confrontation. Je vous parlais de confrontation entre êtres humains. Qui est visible, qui est invisible, qui est acteur visible, qui est acteur invisible? Eh bien là, on va voir les femmes. Il va y avoir un cortège, une manifestation de femmes le 5 octobre, organisée, qui, à mon avis, est un événement essentiel dans l'histoire de la Révolution française. Vont partir donc du Châtelet, elles vont marcher les 18 km qui séparent la place du Châtelet de la place de Versailles, sous une pluie battante, et elles vont organiser une véritable manifestation politique au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'on se réunit pour un motif de colère et le fait d'être ensemble, le fait de parler ensemble, le fait de défiler ensemble, le fait de chanter ensemble, le fait de lire ensemble, le fait d'écouter des discours ensemble, fait qu'on prend une conscience collective, on prend conscience collectivement ensemble de quelque chose. De quoi prend-on conscience collectivement? Ben de sa force politique, tout simplement. Et donc ces femmes qui partent de Paris avec une seule idée en tête, et vous le comprenez très bien, qui est celle de vouloir du pain, arrive à Versailles en demandant au roi de signer les premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme
l'argument est devenu politique. Elles ont non seulement gardé leur volonté d'une plus grande justice sociale et de distribution de richesses par l'abaissement du prix du grain et du pain, et en même temps, elles ont enrichi leur conscience politique en demandant, en exigeant du roi qu'il signe les premiers articles, de la Déclaration des droits. Il y a donc une prise de conscience de ces femmes, et vous voyez bien, pour continuer de répondre, vous savez, j'ai pensé à vos questions cette semaine, pour continuer de répondre à la personne, est-ce qu'une guerre est inévitable? Posons la question différemment. Qu'est-ce qu'un citoyen, puisqu'on parle de citoyenneté, faire partie de citoyenneté ou pas faire partie de citoyenneté, un citoyen au XVIIIe siècle, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses fondamentalement. Au fond, c'est deux choses. C'est trois choses fondamentalement. C'est un, quelqu'un qui ne paie pas des impôts, mais qui accepte de payer une contribution pour le bien commun. Ça, c'est tout un travail intellectuel qui fait que chacun doit accepter qu'une partie de sa richesse soit reversée dans un pot commun pour le bien commun. Ce n'est pas si facile à faire que de le faire accepter. Et donc, c'est pour ça qu'on ne paie pas d'impôts, normalement. On paye une contribution. La deuxième chose que fait un citoyen, c'est qu'il rend la justice. On l'a complètement oublié. Et à l'heure actuelle, la bureaucratisation, la professionnalisation des procès et le fait qu'on fasse appel de moins en moins appel aux citoyens pour des jurés populaires est une catastrophe du point de vue démocratique. C'est une catastrophe du point de vue démocratique parce que les gens au XVIIIe siècle avaient un immense sens de ce qui était juste et injuste. Et donc, faire partie d'un jury populaire, rendre la justice au nom de la nation, est le deuxième attribut d'un citoyen. Le troisième attribut d'un citoyen, et vous voyez que voter n'est pas le cœur de la citoyenneté. C'est devenu aujourd'hui le cœur de la machine démocratique. Mais on vote pourquoi? Je vous pose bien la question. Bon, je ferme la parenthèse. En revanche, quand on est citoyen au XVIIIe siècle, on doit défendre sa liberté. C'est-à-dire que ce qui nous choque aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, moi, ça me choque beaucoup. Par exemple, les millions d'armes que des particuliers possèdent aux États-Unis est une survivance archaïque de ce qu'est le citoyen au XVIIIe siècle. Un citoyen est armé au XVIIIe siècle. Ça, c'est clair. Un citoyen a un fusil. Qui n'a pas de fusil n'est pas citoyen. Parce que qui n'a pas de fusil risque de subir l'arbitraire de la police et de la force. Les citoyens sont armés. Un citoyen est toujours armé. Et regardez tous les grands films sur les grands road movies sur la Révolution américaine. C'est toujours l'histoire d'un père qui est tranquille, puis tout d'un coup, son fils est engagé, puis lui, il prend un fusil et il devient un insurgent. Il devient un citoyen américain parce qu'il a pris un fusil. Et cet archaïsme du XVIIIe siècle, qui fait que la naissance de l'État, c'est justement désarmer les citoyens pour les pacifier, est resté un non-sauvagement terrible, je me permets de le dire, de la citoyenneté américaine, où aujourd'hui, on n'est pas simplement citoyen parce qu'on doit défendre sa liberté. Je ne pense pas que les libertés soient à ce point menacées aux États-Unis, mais pour affirmer des valeurs réactionnaires qui sont tout à fait haïssables. Ce n'est pas le cas au XVIIIe siècle. Regardez ces femmes, elles sont toutes armées. Pourquoi? Elles le savent très bien. Elles savent très bien que s'armer de piques, s'armer de fourches, tirer un canon, elles ne savent pas tirer un canon. Il faut 15 hommes aguerris pour tirer avec un gribeauval. 15 hommes, il faut 15 professionnels. Mais symboliquement, rouler la caisse, avoir des piques est quelque chose de tout à fait fondamental. Et ces femmes vont non seulement manifester, mais elles vont se réunir dans cette magnifique gouache de Le Sueur, qui est un document sur lequel on pourrait parler pendant une heure. On a en fait ce qui constitue la politisation des femmes. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que si, pour revenir à un concept que j'ai utilisé la semaine dernière, le légal, parfois, est en contradiction avec le légitime continue à fonctionner. Et ça veut donc dire qu'on ne peut pas. Ce qui est intéressant, c'est de faire la liste avec les élèves des personnes qui sont exclues de la citoyenneté et voir comment, petit à petit, ces personnes-là ont conquis leur citoyenneté ou l'ont perdue, ou l'ont eu à un moment donné, l'ont reperdue, ont toujours lutté pour. Et là, ça devient intéressant de mettre en perspective l'histoire des femmes, avec l'histoire des juifs, avec l'histoire des protestants, avec l'histoire des acteurs,
avec l'histoire des faillis, avec l'histoire des fous, avec l'histoire des pauvres. Parce que c'est là qu'on voit que certains ont conquis une citoyenneté qu'on n'a plus jamais discutée, par exemple, bah, les protestants et les juifs, sauf sous l'État français, bien sûr. Ou bien certains ont conquis leurs droits, puis les ont perdus, les libres de couleur en 91, puis ils les reperdent en septembre 91, puis ils les reconquièrent définitivement en 92. Ou bien les esclaves, évidemment, qui luttent en 91, puis conquièrent par eux-mêmes en 93, c'est confirmé en 94, les reperdent en 1802, il faut attendre 1848. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à un idéal, un horizon d'idéalité qui est posé, qui est la citoyenneté, pour des populations qui sont en risque parce que elles n'ont pas immédiatement cette citoyenneté, vont se battre, vont lutter, vont s'organiser, en attendant, ne vont pas subir. C'est ça qui est intéressant. Faire des femmes simplement des victimes, c'est, à mon avis, pas forcément rendre un service aux femmes. Ce sont des actrices de premier ordre dans la Révolution. Je suis en train d'écrire une histoire au jour le jour, un peu d'Orléans, pour revenir sur mon idée d'une histoire au ras du sol de la Révolution. Dans toutes les sections, dans tous les procès-verbaux de sections que je vois, au moins en 1793 et jusqu'en 1794, chaque fois que le secrétaire de la section, il y en a 12 à Orléans, la ville est divisée en 12 sections, chaque fois que le secrétaire de la section, chaque fois que le président de la section s'adresse aux citoyens, il dit toujours « citoyenne, citoyen ». Bon, ça veut dire qu'il y a des femmes là. La réunion commence à 20h et elle dure jusqu'à 23h. Je ne sais pas comment elles font, mais elles doivent venir avec les enfants en bas âge, sûrement. Il doit y avoir une organisation familiale. En attendant, je vois les femmes intervenir pour l'organisation de la fête, pour l'organisation de la bienfaisance, pour l'organisation des aides, pour l'organisation du décor de la fête, pour l'organisation de l'accueil des blessés. Alors, vous allez me dire, ce sont des activités de femmes. Oui, peut-être, mais elles sont très importantes parce qu'elles structurent la révolution culturelle de la révolution, c'est-à-dire le spectacle, le décor, l'ambiance et en même temps, donc, ce qui est le cœur même de la Révolution, c'est-à-dire la politique de bienfaisance nationale, dont les femmes sont des actrices de premier ordre pour remplacer le clergé ou les nonnes, bien sûr, qui ont dû déposer leur habit. Ici, on a une image extraordinaire parce que ce sont des femmes qui sont réunies dans un club manifestement de femmes. Il y en a eu quelques-uns qui étaient des femmes, des clubs exclusivement de femmes. On a des femmes qui écoutent. Alors, vous allez me dire, ben oui, ben non, parce que justement, la représentation habituelle de la femme, c'est un personnage vociférant, c'est un personnage en furie, c'est un personnage en colère, c'est un personnage qui provoque les hommes, c'est un personnage aguicheur. Souvent, les seins nus sont soit symboliques, soit totalement faits pour rincer les yeux des messieurs. Bref. Ici, on a justement une représentation tout à fait intéressante parce que ces femmes sont tout à fait dignes, tout à fait simples, et l'une d'entre elles, vous le voyez, est en train de lire le Moniteur. Ça veut donc dire que c'est un club où on s'instruit, où l'une qui sait lire, peut-être ne savent-elles pas toutes lire, l'une qui sait lire lit les nouvelles et le Moniteur raconte bien sûr les nouvelles de l'Europe, mais surtout les nouvelles des assemblées politiques. Et là, c'est particulièrement intéressant donc de voir ce rôle des femmes. Mais vous voyez aussi que les femmes participent à la nation, à l'effort de la nation. Vous voyez qu'une femme est en train de donner un obol dans manifestement ce qui est une assiette, un plat dans lequel chacun donne ce qu'il peut. C'est intéressant parce que ça veut dire là aussi que la solidarité, l'effort financier est l'objet même de la citoyenneté. On n'est pas citoyen simplement en réclamant. On est citoyen aussi en partageant et en donnant. Et c'est donc tout à fait important. Donc, je crois que il y a une façon de mettre en place cette histoire des femmes. Et si vous voyez, voilà, cette image-là, elle est également très très importante. Dès 1792, lorsque la guerre va être déclarée, va se poser la question, bien sûr, de la levée des hommes, la conscription, les levées en masse, les modes de recrutement des hommes, avec le concept de patrie en danger au mois de juillet 1792, donc qui implique que
les hommes doivent cesser toute activité pour sauver la patrie, mais on va avoir des femmes qui vont vouloir combattre. Entre-temps, la déclaration des droits de la femme de l'homme de gauche, que personne ne connaît, hein, entre nous, je crois qu'il y a moins de 500 personnes qui la connaissent en 1792. Mais ça n'empêche pas que ça n'enlève aucun mérite à Olympe de Gouges d'avoir écrit cette déclaration. Mais on en parle tout le temps. On parle beaucoup moins des femmes populaires, des femmes du peuple de Paris, des femmes toutes simples qui ont voulu s'engager, des femmes militaires. Il y en a des centaines. Il y en a des centaines, donc elles sont difficiles à repérer, mais grâce à des travaux d'étudiants, grâce à des travaux de Dominique Godinot, qui sont faits au service historique des armées à Vincennes, on repère. Et j'ai fait publier, je le regarde là, les archives parlementaires, le volume 103, et un des premiers personnages qui apparaît dans l'index, qui a fait plus de 100 pages, qui m'a coûté tout l'été, c'est pas grave, c'est en fait une femme lieutenant. 1794, hiver 94, elle vient demander sa pension de lieutenante. Hiver 94, pour qu'une femme soit lieutenante des armées de la République, après Fleurus, après Valmy, après la campagne de l'été, elle n'a pas dû rester les mains dans les poches, à mon avis, hein. Elle a dû faire prendre sa part au feu. Tant et si bien que finalement les hommes vont penser que c'est un problème. Et donc, au mois de mai 1793, ils vont voter un décret peu connu, mais pourtant qui est bien réel, qui interdit aux femmes de porter les armes dans les armées. Alors, que fait l'historien avec ça? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'historiens, avec ça? Est-ce qu'on dit, ah ben, vous voyez, la Révolution française, elle a fait comme les autres régimes, c'est un régime viriliste qui a exclu les femmes des armées? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut absolument le dire. Et c'est une loi qui n'est pas des plus heureuses, qui va être suivie le 30 octobre par une loi désastreuse, qui est l'interdiction aux femmes de s'assembler pour constituer des clubs politiques. Mais on peut dire aussi autre chose. On peut dire aussi autre chose. C'est que si les députés ont voté cette loi, ça veut dire que les femmes étaient déjà par centaines au feu et au combat. Et que les députés ont décidé que c'était trop, c'était compliqué pour eux de gérer l'amalgame des anciens soldats, des nouveaux soldats, et qu'en plus, il fallait gérer la discipline entre hommes et femmes au feu. Donc, ça veut donc dire que cette loi liberticide vient bloquer un processus d'émancipation qui était en cours, mais qui ne va pas être oublié par ces femmes. Une fois qu'on a combattu, une fois qu'on a tenu le fusil, une fois qu'on est monté à la redoute avec les hommes, une fois qu'on a tué des ennemis comme les hommes, une fois qu'on a chargé le fusil, on le garde pour soi, pour toute sa vie. Ces femmes vont revenir dans leur ville, elles vont garder leur expérience de lutteuse, de soldate, et elles vont en faire profiter d'autres femmes, bien évidemment. Donc, on peut aussi, par rapport à ces femmes à qui on veut fermer la bouche, le 30 octobre 1793, en disant vous n'aurez plus de club exclusivement féminin, c'est plus possible. C'est pas pour ça qu'elles vont se taire. Ce n'est pas pour ça qu'elles vont se taire. Au contraire, dans cette dernière manifestation, c'est la dernière manifestation populaire avant 1830, nous sommes en 1795, le 20 mai 1795, la dernière manifestation populaire dans Paris, avant une répression anti-ouvrière, anti-féministe terrible, qui va être les journées de Prairial de l'an 3, donc le 20 mai 1795. La foule est affamée. On vient de vivre un hiver terrible. L'hiver de l'an 3 est le plus froid du siècle après celui de 1709. La Seine est gelée. Il faut imaginer Paris entre le 20 janvier et le 20 mars sous 60 cm de neige. Plus de bois ne rentre dans Paris, plus de denrées. Une montée de 30 000 personnes qui meurent de faim. Une explosion de la mortalité par suicide, celle qu'a étudiée le grand historien Richard Cobb, dont j'ai préfacé récemment l'ouvrage, et qui explique le désespoir dans lequel se trouve le peuple de Paris. Et au début du printemps, justement, il y a une émeute pour demander que le prix du pain soit revu à la baisse.
qui tourne mal. Un député veut s'opposer, finalement sa tête est coupée et elle est mise sur une pique. Et on sait que les femmes ont été d'une importance capitale cette journée-là. Alors, le tableau n'est pas contemporain des faits. On a très peu de représentations de cette dernière manifestation qui a été violente. Mais les récits placent en bonne position les femmes. Quelle va être la réaction des conventionnels? Bien, la réaction des conventionnels, elle va être assez simple. Ils vont prendre une série de mesures, de lois contre les femmes. Un, ils vont interdire aux femmes, désormais, de venir assister aux séances parlementaires. Deux, ils vont expulser les femmes dont les maris sont prisonniers pour faits politiques qui ne sont pas parisiennes, de la capitale. Trois, ils vont interdire à plus de quatre femmes d'être réunies sur l'espace public. Bon, vous me direz, dans une ville d'ancien régime, comment on peut faire pour que quatre femmes ne soient pas réunies en même temps dans l'espace public? Ce sont des lois qui sont parfois un peu étranges, que votent les gens dans la panique de l'obsession de l'ordre public. Mais c'est intéressant parce que, un, ça veut dire donc que les femmes, à qui on avait dit « vous ne ferez plus de club politique », participaient aux séances parlementaires en étant dans les tribunes. Elles y étaient. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit à une femme « écoute, tu ne vas plus faire de politique », elle ne va plus faire de politique. Ça veut dire qu'on sait bien que les femmes dans la rue discutent de politique. Ça veut dire qu'on sait bien que par les jeux de l'engagement militant, on est rarement militant seul, on est militant en couple. Et donc que ce n'est pas simplement le mari qu'on veut opprimer, c'est aussi la femme qui a les idées du mari et qui peut aussi les véhiculer. Donc vous voyez, c'est une histoire complexe, c'est une histoire faite de trébuchements, c'est une histoire faite d'échecs, faite d'insuccès pour les femmes. Et en même temps, en creux dans la loi, on voit la résistance des femmes. En creux dans la loi, on voit l'activité, l'agentivité, c'est-à-dire la conscience d'être des agentes de leur propre histoire malgré une adversité qui ne faiblit pas contre elles. Alors, que dire, bien sûr, de cette population noire, donc, qui, à mon avis, est désormais centrale dans l'explication de la Révolution française. Donc, pour céder à un quelconque histoire woke ou un politiquement correct ou à une américanisation de nos esprits, que sais-je, encore, tout simplement parce que, enfin du moins, c'est ainsi que je l'ai écrit depuis 2008, je pense que les révolutions se déroulent non pas dans la centralité qui est occupée par les forces de l'ordre de façon très forte, mais dans les périphéries. Ça commence dans les périphéries, à commencer par la France. C'est pour ça que je dis que le 14 juillet n'est pas le début de la Révolution. Les journées de Rennes, au mois de janvier 1789, les journées des Tuiles à Grenoble en juin 1788, les émeutes de Provence en mars 1789, trois pays d'État, donc trois pays libres à l'intérieur de la France, qui acceptent la suzeraineté du roi, mais qui ont leurs propres règles, Bretagne, Dauphiné et Provence, ce ne sont pas des colonies françaises, mais enfin, ce sont des pays rattachés, d'ailleurs ils s'appellent pays d'État, rattachés à la couronne de France. Donc pour moi, c'est la périphérie. Parce que sur la périphérie, l'État est moins fort, il est moins puissant. C'est là que la subversion peut commencer. Ce n'est pas là que l'État va être renversé, mais c'est là que l'État va être secoué. Et si ça peut se continuer ailleurs. Et donc, je pense, bien avant ces histoires-là qui viennent des campus américains, que pour des raisons assez évidentes, la France n'a jamais regardé ou assez estimé l'histoire de ces colonies. Et je pense que l'histoire des colonies est donc centrale pour comprendre la Révolution et les problématiques posées par la Révolution. D'abord parce que dans les colonies, pardon de le dire, mais il n'y a pas que des gens de couleur. Les planteurs, la moitié des planteurs sont blancs. Il y a aussi des petits blancs. Hein, tous les planteurs ne sont pas riches. Tous les blancs ne sont pas riches ou exploiteurs. Il y a aussi des petits blancs, d'ailleurs, qui vont jouer un rôle important. Et ces planteurs-là sont des révolutionnaires aussi. Mais à la façon des Américains. À la façon des Américains, on l'a oublié, on n'en parle jamais. Mais les planteurs sont les premiers révolutionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une révolution comme les Américains, ils veulent se détacher de la métropole. Ils veulent que Saint-Domingue, que la Guadeloupe deviennent les États-Unis de la Caraïbe. On l'a oublié, ça. Mais c'est ça qui est important. Et donc, avec leurs idées de révolution, ils vont aussi donner d'autres idées aux libres de couleur, qui, eux, ne veulent pas
des États-Unis de la Caraïbe parce qu'ils seraient encore dominés par les planteurs blancs, mais qui, comprenant qu'une révolution est possible, vont tout jouer sur la révolution de la métropole pour leurs droits qu'ils finiront par conquérir en avril 1792. Et on a en fait une population qui va se soulever. Et là, c'est aussi intéressant par rapport à la citoyenneté. Parce que si l'on regarde bien, je passe, bon, je reviendrai sur le général Belley, qui est un personnage tout à fait exceptionnel dans la Révolution française. On va le revoir, on le revoit ici. Vous voyez, est-ce que vous voyez ma flèche? Vous voyez ma flèche? Oui. Vous voyez la flèche sur le document ou pas? Oui, on la voit. D'accord. Bon, donc là, il y a. Voilà. Là, vous voyez, là, cette image est très riche parce qu'il y a trois députés. Il y a trois députés là qui sont les députés de Saint-Domingue. Pour la première fois, Saint-Domingue a voté et c'est une députation donc tricolore. D'ailleurs, elle est tricolore, elle se dit tricolore, mais elle n'est pas bleu blanc rouge. Elle n'est pas bleu blanc rouge. Elle est blanc métisse noir. Mais elle se dit tricolore. Donc il y a déjà cette idée de tricolore. C'est pas en 1998 l'équipe de France championne du monde qui a inventé black blanc beurre. Hein. C'est la révolution. Je le revendique. Donc, on a là une petite banque de Black Blamber, Miltz, Dufay, Belley. Donc, Belley, donc, qui est un homme noir d'ébène, un homme magnifique, dont Giraudet a fait le tableau. Miltz, qui est un métis, et Dufay, qui est un député blanc. Et le 16 pluvios de l'an 2, ils doivent expliquer la situation à leurs collègues, qui ne comprennent rien à ce qui se passe à Saint-Domingue. Or, c'est intéressant parce que le 16 pluvios va être voté plus que l'abolition de l'esclavage. Tout le monde dit, hein, le 16 pluvios, c'est l'abolition de l'esclavage. Mais c'est plus que ça. C'est du jour au lendemain, les esclaves de la veille deviennent citoyens. Et ça, c'est important là aussi, parce qu'ils deviennent pleinement citoyens, mais ils ne deviennent pas citoyens, et c'est là qu'il ne faut pas rentrer dans le roman national. C'est ça qui est intéressant. Les députés, Dufay, qui est le député blanc et qui prend la parole, 18 colonnes, hein, 18 colonnes des archives parlementaires, c'est un discours qui dure plus de 3 heures. Quand on pense qu'on empêche les députés de parler plus de 3 minutes aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on me parle de terreur, j'aimerais bien qu'on regarde les temps de liberté d'expression des députés à l'époque et qu'on me dise à quel moment est la terreur. Je ferme la parenthèse. Dufay a expliqué pendant 3 heures à ses collègues que ce qui se passait à Saint-Domingue n'était pas une Vendée noire, parce que tout le monde pensait que c'était une Vendée noire en France, hein, parce que Toussaint Louverture et ses lieutenants, de façon habile d'ailleurs, avaient fait une alliance avec les Espagnols et les Anglais, en disant, après tout, il n'y a rien à attendre des Français, on va être toujours esclaves. Si les Espagnols et les Anglais nous promettent la liberté, alors on va lutter avec les Espagnols et les Anglais, et on le comprend bien pourquoi ils faisaient ça. Lorsque le 23 juin, entre le 21 et le 23 juin 1793, ils vont foncer sur le cap français, mais là, il y a deux envoyés de la Révolution, deux députés, Tontonax et Paul Verhel, qui vont réussir à les convaincre qu'ils sont avec eux, que la métropole est avec eux, et qu'ils doivent arrêter de combattre avec les Espagnols et avec les Anglais, repasser avec les Français, et d'ailleurs, Tontonax et Paul Verhel vont proclamer la liberté générale. Et à la suite de la liberté générale, il va y avoir les élections, et ces trois personnes, donc Miltz, Dufay et Belley, vont arriver à Paris, et les députés vont voter, de fait, l'abolition de l'esclavage. Mais, c'est ça qui est important, c'est que la loi est venue sanctionner un fait déjà établi. Quel fait déjà établi? Les esclaves, les armes à la main, on retrouve les armes, hélas. Mais c'est comme ça. Les esclaves, les armes à la main, ont conquis leur liberté générale. Et les deux députés sur place ont compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que de voter l'abolition de l'esclavage. Alors c'est intéressant parce que ça ne minimise pas du tout le fait d'avoir voté le 16 pluvios en deux, cet acte législatif qui est le premier dans toute l'histoire de l'Occident où un pays qui a été esclavagiste renonce à l'esclavagisme. Mais ça ne doit pas effacer le fait que les députés ne l'ont pas fait spontanément ou de bon cœur ou par philanthropie, pas du tout. Ils l'ont fait parce qu'auparavant, les esclaves
noirs s'étaient révoltés, avaient conquis eux-mêmes la liberté et les députés n'avaient pas d'autre solution que de leur accorder, même s'ils étaient d'accord sur le principe, ils ne l'avaient pas encore fait. Et ce qui est important, puisque j'ai étudié ligne à ligne le discours de Dufay, dont j'ai fait un très long article, puisque c'est là que j'ai découvert donc que, après le concept de lèse-majesté et le concept de lèse-nation, c'est dans ce débat que va naître le concept de lèse-humanité, qui est un concept essentiel, parce que ça veut dire qu'il y a crime contre l'humanité si l'on possède un esclave. Et si j'avais découvert ce texte avant que Madame Taubira n'ait déposé ce texte, je serais descendu dans le débat public pour répondre à la droite qui disait à Madame Taubira, vous commettez un anachronisme. L'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité. Jamais les hommes du XVIIIe siècle n'ont conçu l'esclavage comme un crime contre l'humanité et vous manipulez l'histoire. Eh bien, non. Hélas, je n'ai pas pu aider Madame Taubira parce que je ne connaissais pas ce texte à l'époque-là. Mais ce jour-là, le concept de crime de lèse, le concept de crime de lèse-humanité, 150 ans avant le procès de Nuremberg, a été prononcé. Et un député, non pas proche de Robespierre, mais proche de Danton, a dit, qui possède un esclave commet un crime de lèse-humanité. C'est important parce que vous voyez que l'historien peut aussi entrer dans le jeu politique et donner avec des preuves, ce qui s'est passé comme étant des formes, des anticipations tout à fait remarquables par rapport à l'émancipation du genre humain, à laquelle je crois, nous croyons tous, et finalement c'est notre métier. Alors, cette journée est assez exceptionnelle, et en même temps, c'est notre métier, on la contextualise. On la contextualise. Elle ne fait que officialiser par la loi ce que les Noirs ont conquis par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Et depuis 35 ans que j'étudie la Révolution française, pas une fois dans un mouvement de révolte, pas une fois, j'ai vu des hommes parler au nom des femmes pour réclamer dans le mouvement de la révolte des droits pour les femmes. Il y a dans des révoltes des femmes qui demandent des droits pour elles, des hommes qui demandent des droits pour eux. Ce jour-là, Dufay explique que les hommes, les esclaves, ont demandé la liberté pour leurs femmes également. Alors pour des gens qui sont abrutis par le travail et qui sont réduits à l'état d'animaux par l'état d'esclaves, c'est pas si mal que ça, je crois. C'est pas si mal que ça, je crois. Et donc, on a en fait là cette volonté de comprendre que dans la lutte, bien sûr, les femmes doivent devenir citoyennes. Oh, je ne crois pas non plus, je crois pas non plus que les hommes noirs l'aient fait seulement par souci d'égalité avec leurs femmes. Je pense que les hommes noirs pensaient aussi, et c'était très juste politiquement, que si leurs femmes restaient esclaves, leurs enfants risquaient d'avoir cette macule de l'esclavage. Donc je pense qu'il y avait aussi ce souci familialiste aussi, hein, de la part des hommes noirs, mais ce souci familialiste qui passait 4 ans après 1789, par le souci de faire déclarer que leur femme était pleinement citoyenne. Alors c'est intéressant parce qu'on voit la présence des femmes ici, en 1794, dans l'Assemblée nationale. Alors la légende s'explique par le fait que tout est vrai dans ce tableau et tout est faux. C'est-à-dire que toutes les scénettes que Moncio a représentées sont vraies, mais elles ne se sont pas présentées au même moment, pour représenter le tableau, il les a rassemblés. Et il y a, dans ce moment-là, les trois députés. Vous voyez là la petite flèche? Donc, il y a les trois députés. Donc, il y a pour la première fois en 10 ans, pour la première fois en 10 ans, une femme, ici une dame noire âgée, qui s'est sentie mal de bonheur à l'annonce de la loi, qui était dans les tribunes, et à qui on va demander de venir pour avoir les honneurs de la séance. Et là, on sait qu'il y a toute une population d'hommes, de femmes, donc, qui étaient là, puisqu'il y a près de 10 000 personnes noires à l'intérieur de Paris, qui assistaient ce jour-là, pas les 10 000, mais enfin quelques dizaines, à cette séance-là. Moncio n'a pas oublié quand même, dans un réflexe plus fort que lui, quand même de montrer cette scène qui, au temps du décolonialisme,
ne peut que nous faire réagir, bien sûr, puisque le bon noir se croit obligé de remercier le bon blanc qui vient de lui accorder la liberté, alors que dans la réalité des faits, comme je vous l'ai dit, ce sont les noirs qui l'ont plutôt conquis par eux-mêmes. Peut-être plus intéressant ce document moins connu. 14 jours après, Chaumette, le procureur général de la Commune de Paris, qui est un laïc violemment anticlérical, profondément persuadé de l'égalité de tous les êtres humains, et qui pense que le catholicisme et la monarchie ont créé justement les conditions des inégalités entre les êtres humains, à partir de la lecture classique de Las Casas et des conquêtes, également donc du livre de l'abbé Raynal sur la catastrophe de la colonisation des deux Indes, Chaumette organise avec la ville de Paris une fête en l'honneur de cette abolition. Je pense que c'est belé, là. Je pense que c'est belé. Et plus que ça, dans ce système de régénération, alors ça dépend des estampes, là, je n'ai pas réussi à la retrouver, mais quelquefois, en fait, cet enfant est de couleur beaucoup plus foncée. Bon, que les nourrices soient noires et que les enfants soient blancs, c'est tout à fait habituel. Mais là, je n'ai pas retrouvé, je vous prie de m'en excuser, l'estampe sur laquelle cet enfant est beaucoup plus noir et montrerait en fait, là encore, un échange heureux, symbolique, d'enfant avec une femme blanche qui allaiterait un enfant de couleur. C'est aussi, là aussi, un moment de liesse populaire, un moment de joie populaire, et qui renvoie à un fait que l'on connaît bien, bien sûr, nous, professeurs d'histoire, qui fait que une des conquêtes de la citoyenneté pour cette population noire, ce sont les armes. C'est parce que ce sont d'excellents militaires, ce sont d'excellents soldats de la République qu'ils ont été d'autant meilleurs citoyens. À commencer par le général Belé, qui a une vie exceptionnelle. Il naît en Afrique, il arrive esclave, il arrive à conquérir sa liberté dans les milices qui combattent pendant la guerre d'Amérique. Puis, il va en fait devenir député. C'est le premier député noir de l'histoire parlementaire française. Et c'est tellement important qu'il y a là un anachronisme dans ce tableau que je vous décris. Il est encore député des 500. Oui, il y a une conséquence, c'est une copie, bien sûr, des structures spartiates. Pour la personne qui m'a posé la question, les révolutionnaires sont obsédés par la législation grecque et romaine. Donc, il y a là un clin d'œil évident. Le général Belé va continuer comme député sous le directoire, mais ici, en 1797, Giraudet le représente, c'est tout à fait symbolique, non pas dans les costumes d'un député des 500, mais dans son costume de conventionnel, dans le costume qu'il avait le jour de 1794. C'est très fort qu'en 1797, on le représente dans son costume de 1794, à côté du buste de Raynal, qui a appelé à travers la plume de Diderot, c'est pas Raynal, mais c'est Diderot qui l'a demandé, la naissance, la venue, l'appel à un Spartacus noir, un homme qui serait capable de libérer les personnes esclavagisées, colonisées, noires, serviles ou de couleur, et qui serait capable en fait de renverser l'injustice en fait que subissaient tous ces Africains. Alors, je vais conclure, comme ça on aura une petite demi-heure de questions, ça fait une heure et demie que je parle tout de même, donc vous devez être fatigué, et vous devez avoir, j'espère, des questions à me poser. Voilà, pour dire que à la fin, on retrouve ce souci que j'ai de lier temps et espace. La révolution n'est intéressante que parce qu'elle propose une opposition, suivez mon regard, n'est intéressante que si elle a une vraie alternative à proposer, sinon elle est moins puissante, tout simplement, quoi. Eh bien, c'est la même chose pour la Révolution française. J'appelle le moins en moins la Révolution française, je l'appelle pour des moments précis, qui sont des moments de révolution. Pour le reste, c'est soit une monarchie constitutionnelle, soit une république. Donc, ces hommes-là ne sont pas
ne veulent pas devenir des révolutionnaires professionnels ou des révolutionnaires permanents. Ce que voudront les Chinois, par exemple, concept de révolution permanente. Ou les bureaucrates soviétiques, la révolution comme un métier. Ici, on a des gens qui veulent fonder la République. Et donc, ils vont essayer de fonder la République comme un fait européen. D'où la question des républiques sœurs, à mon avis, qui est très intéressante, parce qu'elle reprend le début des révolutions depuis le XVIIe siècle. Elle reprend, bien sûr, la question de la République, des périphéries de la République. Et elle nous fait penser aussi à la naissance de l'État haïtien, une fois que Bonaparte, dans une autre séquence, va vouloir rétablir l'ordre à Saint-Domingue et en fait provoquer, au contraire, un soulèvement du Nord, hein. Pas de tous les Noirs d'ailleurs, là encore, division classique, comme dans tous les groupes humains, mais qui va amener quand même le 1er janvier 1804 à la proclamation d'Haïti, comme là on va avoir le germe des républiques. Et donc je termine en continuant à répondre à une de vos questions. Ben oui, la révolution est interminée et interminable à partir du moment où, vous le voyez bien, c'est l'histoire du 19e siècle que vous avez dans cette carte-là. Donc, la Révolution française est passionnante, pas simplement parce que je l'aime bien, ce qui est un fait que vous avez compris, mais la Révolution française est intéressante parce que c'est la dernière du monde moderne et c'est la première de l'ère contemporaine. Elle permet de conclure les anciens régimes par un échec et elle permet d'ouvrir sur les nouveaux régimes, c'est-à-dire les révolutions du 19e siècle et la naissance de l'État-nation comme étant un concept qui n'est pas sans poser problème, bien évidemment, hein, qui n'est pas sans poser problème, bien évidemment, puisqu'il va aussi entraîner d'autres formes de violence, d'autres formes de xénophobie, d'autres formes révolution, et voire de guerre, mais il n'en demeure pas moins, donc cette modernité est double. Elle naît soit au travers de la République démocratique, soit au travers, pour conclure, par une des questions qui m'a été posée, mais est-ce que le coup d'État de Bonaparte n'est-il pas un retour et finalement un échec de la Révolution? Eh bien, je dirais que je ne sais pas si c'est un échec, parce que ça dépend une fois de plus où le professeur d'histoire, de façon arbitraire, pour construire son cours, je fais comme vous, hein, quand la fin de l'heure approche, je pense à une date en me disant « bon, je vais terminer par cette date, ils se souviendront de cela ». Je fais exactement comme vous, hein, je fais le même métier que vous. Bon, eh bien, nous inventons des dates. Je ne crois pas que la fin de la Révolution, ce soit le 19 Brumaire. Je ne crois pas que l'avènement de la République, la Troisième République, soit la fin de la Révolution. Et comme vous l'avez compris, je crois que la Révolution est encore à venir, même si j'en ai un petit peu peur, parce que je connais les violences des révolutions. Mais ce principe-là existe, de République démocratique et sociale. Je crois qu'il est tout à fait digne. En attendant, moi, je le défends. Moi, je le défends. Mais la Révolution a inventé un autre poison. La démocratisation a inventé le césarisme démocratique. Et le césarisme démocratique, c'est ni plus ni moins que le populisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de roi, le souverain, peuple, peut se choisir un chef qui est généralement une figure charismatique qui peut être celle du général et qui peut vite tourner à la dictature. Donc la révolution, ce n'est pas simplement quelque chose de très bien. Ça invente une complexité dans la modernité qui peut être ou notre horizon d'idéalité ou un cauchemar à fuir. Voilà, j'en ai terminé avec cette rapide présentation et je suis à votre écoute si vous avez des questions à me poser sur les personnes, sur les êtres, sur le rôle des enfants dans la Révolution. C'est intéressant aussi. Alors, je crois que j'avais vu, pour l'instant, j'ai une question, mais je pense que les collègues vont réfléchir à d'autres questions. Une question d'un collègue qui me pose la question, dans quelle catégorie sociale venaient ces philanthropes? Je crois que c'est quand vous parliez… à quel moment? Je n'ai pas noté à quel moment c'était. Quel philanthrope À quel moment? Attendez, parce que je retrouve l'auteur de la question, elle va peut-être le préciser. C'est qui? Ah oui, monsieur. Voilà, oui, c'est ça. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez, monsieur, comme ça vous lui précisez votre question.
Ah, c'est peut-être les hommes du club des Amis du Oui, Noir. quand vous parliez des clubs, j'ai parlé les clubs jacobins. En fait, ceux qui j'aimerais vraiment comprendre de quelle catégorie sociale venaient ceux qui étaient à l'origine des révolutions des révolutions esclavagistes. Vous voulez parler peut-être, il y a plusieurs clubs, j'ai évoqué plusieurs clubs. Est-ce que vous voulez parler du cercle, de ce que j'ai appelé le cercle des amis, la société des amis des Noirs? C'est ça dont vous voulez Les parler? amis des Noirs, oui. Oui, d'accord. Je crois qu'on Oui, les très appelait bien. aussi les philanthropes. Oui, on les appelait des philanthropes, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que, alors, c'est une question intéressante parce que, en réalité, à ce moment-là, le modèle économique du libéralisme est tellement puissant que, on considère que l'esclavage est un mal nécessaire. Donc tout le monde est, tout le, personne ne cache l'esclavage hein, au XVIIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais tout le monde se lamente de l'esclavage en disant ben, c'est dommage, on voudrait bien se passer de l'esclavage, mais on ne peut pas, on ne peut pas. Et on ne peut pas pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut de la main-d'œuvre nombreuse. Pour les industries sucrières, les métropoles ne dégagent pas assez de main-d'œuvre pour assumer le début de la révolution industrielle, la continuation d'une économie qui est vivrière, hein, d'une économie donc où on mange dans une économie d'ancien régime ce qu'on a récolté l'année précédente. Donc, il n'y a pas de surplus démographique et on a besoin de main-d'œuvre pour les industries sucrières. Donc, tout le monde s'en lamente, mais tout le monde dit on ne peut pas faire autrement. Et puis, le deuxième élément, c'est la concurrence internationale. C'est qu'on dit, mais, ah, mais pourquoi moi je devrais commencer à cesser la politique de l'esclavage si l'Angleterre, si le Danemark, si la Suède, si l'Espagne, si l'Angleterre et si la France continuent. Donc, c'est une question de compétition internationale. Suivez mon regard vers les richesses naturelles, puisque certains historiens spécialistes de l'écologie pensent aujourd'hui que c'est la nature qui est esclave. Aujourd'hui, certains collègues disent que c'est la nature qui joue le rôle de l'esclave du XVIIIe siècle, et qu'on se sert de la nature comme d'une matière première, et que personne ne veut protéger vraiment la nature, puisque le système libéral est tellement fou, donc on doit toujours avoir consommer plus de matières premières et esclavagiser davantage la nature pour rester dans la compétition. Et tout le monde se lamente. Tout le monde est parfaitement conscient qu'on part à la catastrophe. Et pourtant, personne ne l'arrête. C'est la même chose au XVIIIe siècle. C'est à mon avis une comparaison qu'on peut tout à fait faire puisque certains historiens très sérieux l'ont faite. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'une internationale. Il y a des hommes. Alors, ces philanthropes, ce sont des gens qui sont très, 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 très aisés. Hein, Condorcet, par exemple, Mirabeau, ce sont des gens des classes supérieures. Hein. Là, ce sont des gens, ce n'est pas des artisans, ce sont des gens qui vivent très très bien. Mais justement, comme ils vivent très très bien, ils ont des amis dans tous les, c'est bien connu, dans le monde entier, ils voyagent et ils comprennent que seul un mouvement international pourra d'abord arrêter la traite. Il faut arrêter d'urgence la traite. L'esclavage, on verra, c'est un autre problème. Il faut arrêter la traite. Et pour cela, il ne faut pas que ce soit ou les Anglais, ou les Américains, ou les Français qui agissent seuls, il faut qu'ils agissent ensemble. Donc, ils construisent un lobby, ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobby. Ils veulent construire un lobby. Et c'est pour cela qu'entre 1787 et 1788, se fondent trois sociétés, une à Philadelphie, une à Londres et une à Paris, s'appellent les sociétés des Amis des Noirs. Qui veulent correspondre, qui veulent peser de toute leur force sur les gouvernements pour que la traite soit arrêtée. Ils pensent en fait que l'esclavage, ce n'est pas encore un problème possible d'arrêter. Par exemple, Condorcet pense qu'il faut attendre 20 ans et il dit à partir d'aujourd'hui, il faut que les enfants qui naissent arrivent à la liberté quand ils auront 18 ou 20 ans. Mais ce n'est pas possible. D'abolir l'esclavage aujourd'hui, la priorité c'est la traite. Donc ce sont des élites, qui sont au premier rang de la lutte pour tenter d'inverser
pour tenter d'inverser donc cette exploitation humaine dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ah, est-ce qu'on a perdu Pierre Cerna? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. On vous réentend. Non. Ça va? Oui, là, ça va mieux. Ah, d'accord, ça, très bien. Ça avait un petit peu coupé, mais là, ça revient. Alors, autre question d'un collègue. Arrivera-t-on à changer de regard sur la terreur? Ah! J'ai complètement changé de regard sur la terreur. Mais écoutez, mais je pense que ben ça dépend quel regard vous portez. Je ne sais pas quel regard vous portez. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on changera de regard sur la terreur comme régime violent? C'est ça le sens de la question, je C'est suppose. cela. Plutôt l'aspect négatif de la terreur qui est Oui, toujours mis en d'accord. avant. D'accord. Ben, écoutez, il faut devenir historien. C'est tout simplement, il faut faire son métier d'historien. Il faut faire son métier d'historien, tout simplement. Et je ne vais pas rentrer dans un autre discours qui pourrait me renvoyer à une autre troisième séance, mais les collègues m'ont proposé que deux séances. Mais il faut se mettre d'accord sur la terreur. La terreur est un mot d'ancien régime. La terreur est un mot d'ancien régime. C'est-à-dire que lors du discours de la flagellation, au mois de mars 1756, ça va vraiment très très mal. Il y a une crise politique terrible et Louis XV décide de tenir son Parlement. Ce n'est pas un lit de justice. Hein. Ce n'est pas un lit de justice. Dans un lit de justice, on écoute les parlementaires, c'est comme un procès. Quand le roi tient son Parlement, il vient au Parlement, les parlementaires se taisent, ils ont enlevé leur chapeau, seul le roi est couronné, et le roi fait un discours de la teneur dont il a envie. Et en 1756, le jour de la flagellation, dans le calendrier catholique, Louis XV tient son parlement et il dit, écoutez, arrêtez de vous opposer à mes réformes. Il parle au parlement de Bordeaux, de Rennes, de Provence et de Grenoble, comme toujours, et de Toulouse, comme toujours, qui s'oppose aux réformes de l'impôt, justement, à ce moment-là. Et Louis XV dit, écoutez, ne m'obligez pas, ne m'obligez pas, ce sont les mots de Louis XV, à utiliser tous mes pouvoirs de roi absolu, car sinon ce serait la terreur. Donc, la terreur est un concept politique d'ancien régime. Je viens de passer 2 mois à Tokyo dans une bibliothèque spécialisée dans la contre-révolution. Les contre-révolutionnaires de 1789, 90, 91, n'ont qu'un mot à la bouche, la terreur. Dans les deux sens, d'ailleurs. Dans les deux sens. Ils disent que le roi doit reprendre son pouvoir pour infliger la terreur aux bandits, aux assassins, aux anarchistes, j'ai trouvé ce mot-là, aux perturbateurs de l'ordre public. Et eux-mêmes disent qu'ils vivent dans la terreur. Donc, le sens commence à bouger. C'est plus politique, c'est moral. Eux-mêmes, en tant que personne, disent, mais nous-mêmes, on ressent la terreur. Donc, ils veulent appliquer la terreur politique aux autres, mais eux-mêmes ressentent la terreur. Une révolution, je commence à avoir des idées assez simples, au fond, sur les révolutions, même si elles restent des phénomènes très, très compliqués. Une révolution est une telle bouleversement des structures mentales, culturelles, quotidiennes, que tout le monde a peur de tout le monde. Parce qu'il faut se décider pour un camp ou pour un autre. Et que les amis peuvent devenir ennemis, et plus rarement les ennemis des amis. Donc tout le monde a peur de tout le monde. Donc il faut expliquer, et c'était le grand travail de 1932, il y a quelques années quand même, hein, ce qu'a expliqué Georges Lefebvre quand il a voulu expliquer que les mouvements révolutionnaires provoquaient des grandes peurs. Les grandes peurs. Ça veut dire qu'il y a des mouvements irrationnels en temps de révolution
qui correspondent, regardez-les bien, en tant qu'historien et professeur d'histoire, si on vous pose la question, à des moments où l'État est faible, à des moments où l'État est incapable d'organiser l'ordre public. Quand l'ordre public n'est plus respecté, pour des raisons ou d'autres, pour des raisons ou d'autres, ça serait encore une autre séance, là, il y a risque de danger et risque de terreur. Parce que s'il n'y a pas une force capable, au-dessus de la société civile, d'incarner, soit en bien, soit en mal d'ailleurs, soit en bien, soit en mal, la force publique, là, il y a terreur pour tout le monde. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Chacun descend dans la rue et peut voler, peut détruire, peut tuer, si personne ne contrôle la situation. Donc, la terreur, c'est encore autre chose. C'est une mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance entraîne la terreur. Enfin, quatrième élément de réponse. La terreur n'a jamais existé. Voilà ce qu'il faut dire et voilà ce qu'est la leçon d'histoire. C'est-à-dire que tout le monde a été terrorisé. Ça, c'est clair. Parce que tout le monde avait peur. Je ne suis pas en train de dire le contraire de ce que je disais il y a 2 minutes. Mais la terreur comme système politique n'a jamais existé. Chaque fois que vous lisez dans un livre, chaque fois que vous lisez dans un ouvrage, et ça a été répété jusqu'il y a une dizaine d'années, que la terreur a été mise à l'ordre du jour, eh bien c'est une erreur historique totale. La terreur n'a jamais été mise à l'ordre du jour. Le 5 septembre 1793, il y a une immense manifestation. Les sections de Paris envahissent la Convention. Et en envahissant la Convention, les sections de Paris demandent toute la journée, vous lisez ce soir les archives parlementaires sur Percé, et vous le verrez bien, toute la journée, les sections demandent la mise à l'ordre du jour de la terreur. Et toute la journée, les députés font autre chose. Tant et si bien que le soir, ils n'en peuvent plus, et ils font venir le plus habile rhétoricien de toute la décennie, Bertrand Barrère. La Carmagnole de la Révolution, celui qui vient présenter les batailles et les victoires aux conventionnels, qui est en fait un rhétoricien tout à fait hors pair. Et Barrère, qui est le porte-parole du comité de salut public, du grand comité de salut public, qui a déjà été mis en place à partir de juillet, opère un tour de passe-passe. On lui demande une fois de plus, en tant que député du comité de salut public, de mettre à l'ordre du jour la terreur. Il ne répond pas à la question et il dit « Écoutez, on va faire mieux. On va créer les armées citoyennes départementales. » Le 5 septembre, il dit « On va créer des armées citoyennes départementales. » C'est les fameuses armées de cordeliers, les fameuses armées révolutionnaires qui vont exister de septembre à décembre 1793. Après, quand on va voir la pagaille que ça met dans les départements, on va les supprimer. Mais Barrère a fait croire aux sections que la terreur était mise à l'ordre du jour parce que dans leur demande, il y avait la constitution d'armée révolutionnaire. Mais jamais la terreur n'a été mise à l'ordre du jour. En revanche, pour changer de regard sur la terreur, il faut être précis. Et il faut utiliser les mots de l'époque. Les mots de l'époque, c'est le 10 octobre, donc un mois plus tard. Il faut être précis dans la chronologie devant les élèves quand on veut leur démontrer quelque chose. Un mois plus tard, le 10 octobre, Saint-Just comprend qu'il y a une anomalie politique. Et il descend et il fait un discours magnifique d'1 heure, 1 heure et demie, que vous pouvez retrouver là encore dans les archives, où il explique dans quel régime vivent les députés, puisque plus personne ne sait dans quel régime on est. Oui, c'est une république, mais il n'y a pas de constitution, la constitution n'est pas appliquée, c'est plus une monarchie, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas la terreur, justement, qu'est-ce que c'est? Mais Saint-Just va l'expliquer. C'est le gouvernement révolutionnaire. C'est-à-dire, une antithèse. Ça n'existe pas, un gouvernement révolutionnaire et une révolution avec un gouvernement. Mais Saint-Just, lui, va expliquer ce qu'est le gouvernement révolutionnaire. C'est-à-dire l'invention dans l'urgence d'un pouvoir législatif qui, à cause de la guerre, doit prendre des mesures qui doivent inventer une autre antithèse qui est la dictature de la liberté.
Ce ne sont pas les contre-révolutionnaires, hein, qui ont inventé l'expression de dictature, hein. Robespierre utilise 5 ou 6 fois, je crois, dans ses discours, l'expression dictature de la liberté. C'est-à-dire que les conditions sont tellement dramatiques, sont tellement tragiques, qu'il faut absolument prendre des mesures exceptionnelles d'application directe de la loi, mais pas d'application de tyrannie, mais de dictature à la façon romaine. Qu'est-ce que c'est la dictature dans la République romaine? C'est quand il y a crise dans le régime, on délègue pour quelques semaines, pour quelques mois, un pouvoir exceptionnel à quelqu'un qui est constamment surveillé par les représentants du peuple pour appliquer des mesures d'urgence auxquelles personne ne peut désobéir. Puis quand la situation est rétablie, on abandonne la dictature. Donc, voilà comment on peut commencer à changer le regard sur la terreur. En étudiant l'histoire de très près, en étudiant l'histoire de très près, en étudiant l'histoire dans toute sa complexité et en montrant en fait aussi les calculs. Hein? Comment fonctionnait la justice révolutionnaire? Comment les contre-révolutionnaires ont construit aussi la guerre civile? Et donc, à mon avis, il faut complexifier. Il ne faut pas s'acharner, nous, en tant que professeurs, un peu, on va dire, les professeurs d'éducation civique qui sommes là pour défendre la République et la démocratie, être pris dans le piège de ceux qui vont défendre, bec et ongles, une terreur. On n'a pas à défendre ce qui n'a pas existé. Ça n'a pas existé, la terreur. La terreur est un sentiment sociétal partagé par tout le monde. Les républicains étaient terrorisés, les contre-révolutionnaires étaient terrorisés. Mais tout ça ne fait pas de politique. Tout ça ne fait pas de politique. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir avec les élèves pourquoi on a peur et comment on a peur et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur. Et là, ça devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus dialectique comme regard que l'on peut porter sur la terreur. Et leur rappeler, par exemple, encore aujourd'hui, en France, aucun historien, aucune historienne n'a fait le compte, par exemple, de la terreur blanche de 1815. En 1815, lors de la seconde restauration de Louis XVIII, il y a une terreur blanche qui fait des milliers et des milliers de morts. On règle les comptes, les vieilles vengeances sont réglées. Combien y a-t-il eu de morts? Personne ici ne le sait. Moi-même, je ne le sais pas. Parce qu'on n'a pas on n'a pas d'études. Donc, il faut aussi ouvrir le regard des élèves en leur disant que la façon dont on présente l'histoire, c'est souvent une focalisation qui permet de mieux cacher d'autres problèmes. Je ne vous dis pas ça pour minimiser les morts de la terreur, mais si un être humain égale un être humain, c'est ma philosophie de base dont je ne reviendrai jamais, alors il faut aussi compter. Il faut aussi compter le nombre de morts qu'a causé la contre-révolution. Je vais vous donner un seul exemple. L'émeute de Prairial en Troyes dont j'ai parlé tout à l'heure. Un mort. Un mort. Le député Féraud. Paix à son âme. Paix à son âme. Je regrette beaucoup son décès. Tout le 19e siècle bourgeois s'est raconté le fantasme, la peur de l'émeute populaire. De l'émeute populacière, des femmes débraillées, des hommes qui étaient des bouchers, qui seraient rentrés dans l'Assemblée pour tuer un député. Qui parmi vous savait que 30 000 Parisiens étaient morts de faim, vous voyez ce que ça veut dire mourir de faim et de froid, étaient morts de faim et de froid pendant l'hiver qui a précédé cet immeuble? Qui parmi vous savez que des centaines de femmes, des centaines de femmes sont déposées à la morgue parce qu'elles se sont suicidées à peine la débâcle de la Seine est arrivée avec leurs enfants parce qu'elles n'avaient plus rien à leur donner à manger? Qui le savait? Qui le dit? Personne. Un être humain égale un être humain? Bien sûr. Alors, parlons de la tête de Féraud et parlons des 30 000 Parisiens qui sont morts de faim et de froid, directement liés au dérèglement économique, et qui ont vécu une terreur sans nom. Imaginez ce que ça veut dire mourir de faim et de froid
les moments de terreur qu'on a vécus. Pourquoi on ne parle pas de cette terreur-là? Il y a eu 20 000 guillotinés en France. Hélas, on le regrette, dommage, paix à leur âme. 30 000 personnes sont mortes de faim, de froid, parce que les députés voulaient remettre en place une politique libérale, une politique de déréglementation des prix, une politique de fin du dirigisme économique qui avait protégé le peuple pendant le gouvernement révolutionnaire. Pourquoi n'en parle-t-on jamais? C'est intéressant quand même de se poser ce genre de questions, non? Moi, mon regard est con. Alors, on panique pas, il va revenir. Là, je suis là. Ah, cool. Parfait. Alors, je prends le relais de Vincent et d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présentation et pour les réponses que vous nous avez apportées. Alors, une petite question que, pour le coup, qui vient de moi, parce que petit privilège de l'organisateur, j'ai le droit de poser mes propres questions. Du coup, je vous avais parlé la semaine dernière de la Glorieuse Révolution, dont vous nous aviez effectivement beaucoup, beaucoup parlé. Et je vous avais demandé finalement si la Glorieuse Révolution, qui est tant célébrée pour son aspect pacifique, qui est souvent appelée d'ailleurs la Révolution sans sang, et par ses acquis, notamment le Bill of Rights, qui jette les bases de la monarchie parlementaire en Grande-Bretagne, n'est pas finalement une révolution aussi ultra-conservatrice qui a eu comme moteur l'intolérance religieuse et qui consacre la rupture entre papistes et anglicans. Oui, c'est une question vraiment très, très intéressante. Et vous savez qu'il y a un grand débat à l'heure actuelle sur ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, bon, qui est une pure invention whig du XVIIIe siècle. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous, Clément. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que le concept de Glorieuse Révolution a été construit pour cacher l'authentique révolution, c'est-à-dire la révolution républicaine du milieu du XVIIe siècle, puisque l'Angleterre a vécu son seul et unique moment, enfin j'espère que ce ne sera pas l'unique moment, le futur le dira, mais pour le moment, ça a été le seul moment républicain de l'histoire de l'Angleterre, le Commonwealth, sous la dictature, d'ailleurs, sous la dictature, il faut le dire, de Cromwell, entre 1650 et 1660, après que les Anglais aient exécuté leur roi, puisque ce ne sont pas les Français qui ont commencé à exécuter le roi Charles Ier est exécuté après un procès en février 1649. Alors, vous avez parfaitement raison, et je vais le préciser. La vraie matrice révolutionnaire, c'est ce grand moment où les diggers, les niveleurs, les protestants radicaux, à partir d'une lecture très précise des textes bibliques, vont vouloir appliquer de façon littérale les textes bibliques. Donc, dans un moment, c'est une forme de qu'on appelle le sectarisme politique protestant. Du XVIIe siècle, pardon, qui va amener ce mouvement de première communauté de partage, on va appeler justement les diggers ou levelers, les niveleurs ou les partageux, qui décident de fonctionner selon le modèle des premières communautés chrétiennes dans une forme de, comment dire, communisme primitif, si je puis me permettre cette expression. Et puis, ce sectarisme religieux, enfin, eux-mêmes disent qu'ils font partie de sectes protestantes, ce n'est pas un jugement moral de ma part, le sectarisme religieux va devenir politique. C'est-à-dire que après la lecture des textes de la Bible, ils vont s'inspirer autrement, ils vont puiser à la lecture de Machiavel, ils vont puiser à la lecture de Tacite, ils vont puiser à la lecture de Cicéron, et ils vont découvrir le républicanisme ancien. Et de ce républicanisme ancien, ils vont tirer une grande tradition. Donc, Milton, par exemple, les poètes anglais qui vont être ensuite pourchassés, exilés, voire exécutés, et qui est la grande tradition républicaine. De telle sorte que lorsque Jacques II arrive sur le trône en 1685, sa volonté, c'est de les supprimer. Et comment peut-il les supprimer? Soit il les persécute,
soit il leur demande de se convertir à l'anglicanisme, soit il les renvoie et les fout à la porte de l'Angleterre. Hein. Il les envoie dans les colonies. Et c'est ainsi que Peter Linneberg découvre que les fondateurs des clubs américains Sons of Liberties, les fils de la liberté, ou bien des insurgents, ont des grands-parents qui étaient des exilés anglais des années 1690-1700. Et il arrive à retracer la généalogie de la radicalité républicaine du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle américain. Donc vous avez complètement raison. Il y a un subterfuge historiographique très important dans l'histoire anglaise et qui continue à être un roman national anglais. Il n'y a pas que les Français qui ont des romans nationaux. Hein. Les Anglais s'en racontent aussi pas mal et de belles. Hein. Qui continue à penser que cette révolution a été glorieuse. Elle n'est pas si glorieuse que ça, d'ailleurs. Hein. Un collègue américain, j'ai oublié son nom là, un collègue américain a écrit un livre de plus de 500 pages pour montrer qu'il y avait eu beaucoup de violence et que cette révolution, elle ne s'est pas faite si facilement que ça en 1688, qu'il y a eu bien sûr des actes d'intolérance, que les Irlandais ont été encore plus brimés qu'auparavant, si tant est que ce soit possible de brimer encore plus les Irlandais, et qu'il y a eu des formes de répression très très fortes, encore contre les poches de républicains. Donc, je partage complètement votre avis. Là, pour le coup, on a affaire à une révolution qui, dans sa structure politique, peut être réactionnaire. En même temps, elle va donner lieu, parce que elle est complexe, comme toutes les révolutions, elle va donner lieu à une avancée déterminante qui va être l'accaparement par les élites anglaises du pouvoir de la monarchie. Et donc là, il y a un pas en avant dans l'histoire des sciences politiques. C'est-à-dire que si socialement, religieusement, voire culturellement, c'est une révolution tout à fait conservatrice, je vous le concède, du point de vue des sciences politiques, il y a une avancée que le traité du gouvernement civil de Locke va pouvoir comprendre comme étant la naissance d'une forme de parlementarisme, fût-il aristocratique, là-dessus, il n'y a rien à dire, avec la Chambre des Lords, par exemple. Est-ce que j'ai répondu? Très bien, merci. Ah ben, parfaitement, je vous remercie. Alors, si je peux juste poser une dernière question, une question de M. Perret, du Collège de Magic à vous. Est-ce que les monarchies qui suivent pendant la Restauration sont des régimes qui enterrent définitivement les acquis de la Révolution, ou est-ce que ce sont des régimes avec juste une façade monarchique? Et je pense que cette question fait écho à une question qu'on vous a posée également dans la liste, une question un peu taquine d'ailleurs, donc je me permets de la lire en écho. Une révolution en physique, c'est un tour complet sur soi-même pour revenir au point de départ. Finalement, est-ce que la Révolution française, ce n'est pas ça? Un changement, puis un retour à un point de départ. Les régimes suivants que sont l'Empire napoléonien et la Restauration n'ont-ils pas essayé de revenir à un ordre ancien? Alors, je pense que les deux questions se font écho. Bon, c'est une magnifique question, bien évidemment, extrêmement complexe et extrêmement utile, parce que c'est la plus difficile. C'est peut-être pour ça que je l'ai évité. Et en même temps, elle est essentielle. J'espère avoir quelques éléments de réponse. Pardon de remettre sur la table cette expérience, mais elle m'a beaucoup marqué les 2 mois que je viens de passer au Japon. J'ai assisté à un débat plus que chaud bouillant, entre historiens japonais. C'était quasiment notre terreur à nous. Hein. C'était au niveau décibel et au niveau passion, engagement, c'était notre terreur à nous. Quel était l'objet de la discussion entre les collègues japonais? Il était passionnant. Est-ce que Meiji, l'empereur, la révolution qu'on appelle la révolution de Meiji, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est une restauration? Est-ce que c'est une restauration impériale ou bien est-ce que c'est une révolution au sens moderne du terme? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste d'histoire japonaise, mais enfin, je m'y suis mis rapidement par courtoisie. Ils étaient prêts à en venir aux mains, hein, pour des Japonais, c'est pas rien quand même. Hein. C'était très, très, très intéressant. C'était passionnant. Et donc, ça pose la question, alors, soit du sens des mots,
soit du sens de l'histoire, soit des héritages, soit des fusions, fusions, confusions, et en même temps, l'histoire ne s'arrête pas. Alors, je voudrais répondre par deux réponses, deux éléments quelque peu contradictoires. Le premier, c'est un livre d'un historien américain, Arnaud Meyer, M-E-Y-E-R, qui s'appelle L'Ancien Régime et les Révolutions. Pas l'Ancien Régime et la Révolution, mais l'Ancien Régime ou les Monarchies. Je crois que ça s'appelle l'Ancien Régime 1780-1914. Je n'ai pas en tête le titre exact du livre de Mayer, mais ça met en jeu, c'est un jeu de mots entre Ancien Régime et Monarchie et Révolution. La capacité à imaginer le réel des révolutionnaires au XIXe siècle, la capacité à imaginer le réel et à l'écrire au XIXe siècle de la part des révolutionnaires a été telle qu'ils ont inventé l'idée que la révolution avait été le fait politique majeur du XIXe siècle, les États-nations, 1830, 1848, 1871, et ainsi de suite. Et il dit, mais regardez une carte de l'Europe par pitié, regardez une carte de l'Europe par pitié. Il n'y a que des monarchies. Toutes les républiques sont des échecs. Qu'est-ce qu'il faudra pour que les monarchies s'effondrent en Europe? Il faudra une catastrophe qui n'est pas une révolution, mais qui est la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale qui va terminer les monarchies, l'Empire des Habsbourg et l'Empire des Hohenzollern. Ça n'a rien à voir avec une révolution. C'est la guerre qui a terminé les monarchies. Et donc, il soutient, finalement, les restaurations ont été des restaurations pleines et entières, et que le principe monarchique a été le principe le plus important du XIXe siècle. Maintenant, regardez le livre que je lis en ce moment, qui vient d'être publié, qui est tout à fait passionnant. C'est le livre d'Emmanuel de Varesquiel. Je ne peux pas dire qu'il soit véritablement connu pour être du même côté que moi, d'avoir des idées révolutionnaires, mais c'est un très bon historien, Emmanuel de Varesquiel. Et que nous allons recevoir d'ailleurs. Ah, nous allons très recevoir bien. Dans le podcast. Voilà. Ah, ben alors, dans ce cas, vous le souhaiterez, mes plus sympathiques amitiés. Je ne pense pas comme lui, mais c'est un homme remarquablement, remarquablement sympathique et très érudit. Donc, c'est le plus important. Je pense qu'il va beaucoup vous apporter. C'est très bien. Eh bien, voilà. Emmanuel de Varesquiel écrit un livre qui s'appelle « C'est la révolution qui continue ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais ça veut dire que quelque chose a été à ce point important dans la Révolution française, à ce point changé, que oui, il peut y avoir des révolutions, il peut y avoir des restaurations, pardon, mais ces restaurations ne peuvent faire fi de ce qui s'est passé entre 1789 et non pas 99, non pas 92, non pas 94, non pas 99, mais j'allais dire 1789 et 1815. S'il vous plaît, relisez le chapitre « La bataille du Mont-Saint-Jean », qui est en fait le récit de la bataille de Waterloo, dans les Misérables de Victor Hugo. Et vous verrez que ces 100 pages, un chapitre de Victor Hugo, ces 100 pages des Misérables, racontent que Waterloo, c'est la bataille des monarchies contre la Révolution. Et que si cette bataille a été perdue ce jour de juin 1815, le principe n'a pas été perdu. Et vous savez que les Misérables se situent entre 1832 et 1834, au moment où on construit des barricades républicaines à Paris, parce que les ouvriers pensent qu'on leur a volé leur révolution en leur imposant une monarchie constitutionnelle, celle de Louis-Philippe. Donc ça veut dire qu'il y a deux principes. Moi, je préfère poser la question différemment et dire que la révolution a inventé une modernité, que les sociétés demeurant traditionnelles, je le reconnais, je le concède, que les sociétés demeurant traditionnelles, catholiques, conservatrices, attachées à la sacralité de la propriété, n'ont tout de même pas pu effacer, n'ont tout de même pas pu rayer de la mémoire d'une majorité de la population.
Et c'est en fait ces principes-là qui vont animer une partie des classes moyennes, parce que les classes moyennes sont aussi une des inventions, alors peut-être pas de la révolution, mais de la concomitance entre naissance de l'État, révolution industrielle, acquis politique, et qui vont construire sociographiquement, pas simplement avec des idées, mais sociographiquement, l'idée d'une nouvelle souveraineté qui passera dans un premier temps par la démocratie. C'est d'ailleurs exactement la leçon de Tocqueville, le rêve de tous les libéraux de France, encore aujourd'hui, au fond. Ce qui les comblerait de plaisir. Une monarchie constitutionnelle. Une monarchie constitutionnelle. Quand le président Macron ne cesse de faire semblant de dire qu'il y a un vide parce que le roi a été exécuté, c'est lui qui le dit qu'il y a un vide. Mais je ne sais pas vous, mais moi je ne ressens aucun vide. Hein. Je ne ressens personnellement aucun vide. Et je ne crois pas que la situation économique et sociale de la France se soit due au fait qu'il manque un roi en France. Donc, il y a plutôt désormais deux principes qui sont en confrontation. Et ces deux principes, en fait, eh bien, sont en lutte, mais les faits sur lesquels nous construisons le réel que nous présentons aux étudiants, on ne leur dit pas la vérité en soi, on leur donne des outils pour qu'ils comprennent le réel, en reconstruisant avec eux le réel du passé. C'est tout. On n'a pas de vérité, nous, à énoncer. Il n'y a pas de vérité en histoire. Mais en revanche, il y a des choses qui se sont passées réellement. Elles se sont passées de façon authentique. Et on peut le prouver. Et on peut en faire un récit. Donc, le récit est celui-là, est complexe. Il y a deux principes qui sont en opposition. Et le rêve, à la façon de Tocqueville, c'est de relier la monarchie et la démocratie. Mais il y a un troisième larron dans cette affaire-là, qui est la République. Il y a un troisième larron dans cette affaire-là, qui est la République, qui n'est ni seulement démocratique, et encore moins monarchique, évidemment. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où la République est là, et va être un combat, et va devenir une réalité, eh bien, je pense que c'est un fait historique. C'est un fait historique qui fait que le rêve, l'illusion, la volonté même, ou le désir de certains d'avoir une monarchie constitutionnelle est confronté à un réel qu'ils ne peuvent pas nier, qui est celui du principe républicain qui va être porté par le 19e siècle, puis confirmé au 20e siècle. Après, on peut me dire, mais ça fonctionne moins bien une république ou ça fonctionne très bien en Angleterre. Ça, c'est possible de tenir cette position. Mais ça, c'est une position de morale. Ce n'est pas une position historienne, c'est-à-dire qui étudie la conflictualité de ce qui existe comme principe d'héritage du réel. Et en même temps, Edgar Quinet, en exil pour ne pas subir la dictature de Napoléon III en 1865, fait paraître un livre qui est d'une modernité absolument remarquable. Je vous le conseille, vous ne vous ennuierez pas à le lire. Ça s'appelle La Révolution, tout simplement. Ça paraît en 1865 et Edgar Quinet a tout compris, a tout compris. Où il explique justement que, en fait, le poison de la Restauration n'est pas né avec Louis XVIII, mais il est né avec Bonaparte. En expliquant que Bonaparte, et il utilise cette expression qui est absolument géniale, c'est le roi de la révolution. C'est une expression aussi géniale que le gouvernement révolutionnaire. C'est un oxymore, donc ça veut dire que c'est une expression qui ne veut rien dire, et en même temps qui résume à la perfection ce que veut être Bonaparte, le roi de la révolution. Donc Bonaparte incarne ce principe ancien, il retourne aux Tuileries, il restaure la religion catholique par le Concordat, et en même temps, il est un homme de la Révolution. On ne revient pas sur les acquis du droit de la Révolution. Donc,
Je ne sais pas si on peut parler de restauration ou d'héritage, mais en attendant, on peut parler de superposition. Superposition de réalités historico-politiques qui font toute la complexité du réel. Qui font toute la complexité du réel. La charte n'est pas une constitution, mais c'est quand même un principe de liberté qui est affirmé. Louis-Philippe n'est pas un républicain, mais en même temps, son père est un régicide. Donc, c'est cette complexité-là, à mon avis, qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter, qu'il faut au contraire présenter aux élèves dans sa complexité, mais dans un continuum historique qui, à la fin, fait qu'en France, alors pour des raisons qu'il faut étudier, justement, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, comme à Haïti, même si de façon catastrophique ou difficile, ou dans l'adversité, ben les régimes qui sont nés des révolutions sont encore aujourd'hui pérennes, sont encore aujourd'hui à l'œuvre. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Oui, ben merci Monsieur Cerda. Effectivement, là, on a largement dépassé le temps qu'on avait prévu entre nous. Donc, on va conclure cela. Mais du coup, encore un énorme merci vraiment au nom de tous les collègues, au nom de l'inspectrice, au nom de l'Académie de Mayotte. Vraiment, merci pour votre intervention, pour vos réponses. C'était incroyablement clair, passionnant. Bref, tout est été. J'ai bien compris, on a limité pour l'instant à 2 épisodes, mais comptez sur nous pour l'année prochaine. On vous recontactera pour la suite, car oui, il y aura suite. Donc voilà, il y aura une saison, d'accord, bien sûr. Très bien. Bien, écoutez, merci d'avoir eu la patience de m'écouter. Merci de vos questions qui étaient passionnantes. Et puis, bon cours avec vos élèves. Bon, parfait, merci Monsieur Cerda. Eh bien, voilà, bonne continuation à vous et merci à tous les collègues d'être présents, d'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Merci et merci au à tous. Merci, au revoir.